attends, en vrai. En boutique. Qui sont en train de partir. Merci Malchon, en tout cas, déjà, merci. On se voit pas une pression du coup. Allo, le sage est là. Voilà, bah écoute, de passer sur un Just Chatting. Hello tout le monde, non, comment ça va? C'est le moment de jouer, tout simplement. Voilà, ah, parce que... Sûr, en fait. Non, parce qu'on est sur Forza, enculé. Donc tu vas dire sur Forza, j'ai enculé. Pas validé ma commande Amazon. Et attends, ouais, attends, faut que je vérifie un truc. Est-ce que ma commande Amazon est bien ou pas bien? Commander, nanana... Du coup, bonsoir le chat, j'espère que vous allez bien. Les chats, pardon. Vous allez bien, j'espère que vous allez bien aussi. J'espère que les copains, ils vont bien aussi dans le vocal. Les copains, ils vont bien en tout cas. Le sang de la veine, il va bien, donc c'est parfait, il va bien. Alors, Hola Matsu, on vous entendait un peu pendant la vidéo de départ, je crois. Ouais, je crois aussi, Gabi, ouais. Il y a des chances qu'on vous entende. Personne n'a rien entendu. Personne n'a rien entendu chez moi. Mais personne. Non, je veux dire, sincèrement. Mais voilà. Parce qu'en fait, à la base, oui, quand ils pensent. Hein. Parce que quand il pense, c'est que tu mets un pansement quand il pense. P-A-N-S-E, pense. Ah ouais, mais attends, mais quand tu penses, alors. Tu sors. Du coup, ça veut dire que tu penses au mensonge. Tu du coup, c'est ça, c'est... sors, j'ai dit. Alors après, si tu songes au ment, c'est un mensonge. Mais non, si je songe au ment. Oh mon dieu ça, mon ref. Quoi? Mais comment ça, mon ref? Bon, du coup, on va essayer de faire une intro potable. Bonjour tout le monde, bienvenue, j'espère que vous allez très très bien, bienvenue sur les streams de Venix Vayer. Y'a pas de filtre. Voilà, c'est rap god. Dire le même avec la chèvre qui fait oh bah ouais. Exactement. N'est pas Eminem qui voudrait l'être. Non, du coup, bonsoir à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue sur les chaînes également de Noé et de Chris. Hein, voilà, Chris qui merci. Bonsoir sur les chaînes de Edwin et de Chris également, bonsoir.
J'espère que vous amusez bien. J'espère que vous êtes bien amusés en la compagnie de Chris. J'espère que vous avez envie de prendre votre pied en notre compagnie à tous les trois. On va avoir également un certain monde sans temps foule qui va nous rejoindre un peu plus tard dans la soirée. C'est qu'une question de timing. Donc, un peu comme ma bite. Un peu comme ma bite. Comment ça, Gabi? Comment ça, Gabi? Ta bite aussi, elle va nous rejoindre dans la soirée. Je crois qu'il y a un problème de scénario dans ce qui a été dit. Exactement, exactement. Non, du coup, tout ça pour dire. Le follow. Nous allons attaquer Forza Horizon 5 hein, pour merci ceux pour qui follow, débarquent et c'est déjà lancé de toute façon sur le stream de Chris. Donc voilà, on lance tout de suite le jeu parce que voilà, il n'y a pas de scrupules. Merci beaucoup. Pousser un petit peu Discord parce que sinon ça va être au milieu de tout. Ouais. Ah, on par va contre, pas je sais ce qui se passe par contre, Chris. C'est que du coup, en étant dans ton chat, j'ai pas mon overlay de discussion que j'ai d'habitude. C'est le petit exactement. Discord. Moi, je dis pour relâcher la pression, il faut lâcher des gros pets dans le chat. C'est ça aussi. Quoi? C'est ce que Sneeze a fait chez moi, quoi, à l'instant même. Oui, mais ça, après, c'est Sneeze. Attendez, je viens de capter à l'instant. Ouais, je suis un enfant. Je viens de voir ça, ouais. Que qui a fait quoi? T'es un enfant. Hein, quoi? J'ai capté à l'instant que Matsu était en train de la hype. J'avais bien de le capter à l'instant, bonsoir. Ah oui, non mais, ah, voilà. Mais voilà, c'est voilà, chouchou. Le chat ne dit rien, hein. Mais je vais battre le temps d'Edwin sur une course. Mais chut, pour rien dire. Quoi? Comment ça, nick Eh oui. De toute façon, moi, j'ai envie de dire, Noé, t'as pas de vie, donc c'est pour ça que t'as cette bonne note, quoi. Hein, quoi? Quoi? Dit-il Bon, qu'est-ce que tu dis? Mais non, mais il cherche tout le temps, donc voilà. Dit-il, hein. Merde. Mauvais bouton. Oh, le con. Oh le con. Bon ouais, voilà, c'était la fin du stream, au revoir, merci d'être venu. J'ai cliqué sur mon outro au lieu de cliquer sur mon gameplay, les mecs. Pas mal ça. Faudrait que je me mette un truc en automatique, genre par rapport à un son qui passerait en automatique quand je serais sur l'outro, ça serait pas mal. Apparition, je te jure. Par contre c'est bien parce que du coup je voulais mettre Forza et on voit pas Forza, il est sur le mauvais écran. Attends, t'es bah ouais déjà, ça commence mal, bah oui. Attends, voilà, c'est bon, Forza est sur le bon écran, maintenant il reste plus qu'à moi. Alors au passage, c'est le dernier soir que vous voyez cet overlay là, puisque demain, c'est l'overlay de Virtuel Solidaire 2023. N'hésitez pas à venir nombreux, en tout cas, on va s'amuser comme des petits fous. Demain soir, ce sera à l'OMCC pendant 4 heures. Donc... Attendez, voilà. J'ai une question, chef. Comment ça, on va s'amuser comme des petits fours? Non, j'ai pas comme des petits fours. Des petits fours comme en 40. Vas-y, fais là ta blague, qu'on décerne le point à Goldwyn. Ah, c'est bon, t'inquiète pas, Noé l'a fini à ma place, c'est bien, on s'est complété. Voilà, merci à tous. Je me sens rêvé. Chris, mets la soundboard, please. Je crois que, par contre, je viens de me rendre compte que j'ai peut-être fait une merde. En gros, j'ai lancé Forza sur mon PC, alors que d'habitude, je le lance plus sur mon PC normalement à cause des bugs. Donc on va voir si ça bug trop, bah je vais le lancer sur la console. Le casque aussi, vu que toi. Alors déjà, petit con, tu vas te calmer. Let's go. Donc on va voir où est-ce que ça donne du coup sur le PC. Par contre c'est pas du tout la version que bug. Je prépare. Quoi, ça bug là? Putain, si ça bug durant les chargements, ça va me casser les couilles. Enfin, peut-être que j'augmente la pression des pneus peut-être. Kira, t'es pas... Peut-être la voiture est un poids trop lourde pour... ouais, peut-être faire ça. Sinon les pneus ils... Ah, j'ai des bugs sur Forza quand je suis en stream uniquement. En gros mon PC prend de la patate à cause des streams. Donc voilà. Et ah oui, c'est du coup, bah, j'ai des... En gros, c'est comme si j'avais plus de connexion internet, comme si mon PC, le processeur, il marchait plus. Mais c'est que quand je suis en stream. Pas quand je... Genre quand je joue normal, pas de problème. J'ai un doute sur le réglage de ma bagnole, là. Doute sur le réglage de ta bagnole? Exactement. Pop-pop-pop-op, Noé Verstappen, quoi? Pa-pam-pa-pam. Ouais, c'est mon nouveau blaze. Ouais. Par contre... Moi j'ai envie de dire un truc, c'est qu'il y a personne qui a remarqué un détail au niveau de mon col. Col back. Dégage. Genre vraiment, casse-toi. Ok. Ah, au revoir, le chat. Okay. C'est un honneur. Quoi? Hein? J'aime. Coup de faiblesse, peut-être ensuite. Rebonjour le chat, je me suis fait du coup remis à l'intérieur de mon live. J'ai... Voilà. Moi-même, je me suis mis dedans. Possédez et piloter une des Mustangs. Obtenez 6 étoiles à des panneaux d'Angers. Ce soir, c'est que les Américaines, des boys. Voilà, donc amusez-vous. J'aime les moi, j'ai jamais ma bagnole. Quoi? Alors, du coup. Ah, attends, parce que moi, du coup, faudrait les épreuves maintenant. Ah, mais Kira, mais arrête de foutre le bordel. Du coup, on entend pas. Tu es prêtre un peu? Non. Alors, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, aujourd'hui, mais genre, j'ai quasiment personne qui l'a remarqué aujourd'hui, mais en gros, aujourd'hui. Cravate.
Voilà. Alors. C'est qu'en fait, vu que c'est une cravate noire, on la voit pas du tout en fait avec le. Bah ouais, je crois un peu. Voilà. Merci, merci Matsu. Wow, restriction de véhicule, Onigan en. Non mais c'est du coup, vu que j'ai pas retrouvé vu que j'ai pas retrouvé mes autres cravates, en fait, bah j'ai pris celle-là. Quel BG, merci Snix. Merci. Merci beaucoup. Du coup, tac. Donc Mustang 65, on disait, ou 2018. Vous serez jugé en fonction de l'année que vous allez prendre. Par contre, je peux dire une chose, ça fait du bien de retrouver des championnats en S1. Mais tu m'étonnes. Ah, ça m'a saoulé avec classe B. Vous connaissez ce soir qui va dormir à poil tellement il aura chaud. Non, mais en vrai, non, parce que genre là, tu vois, il fait froid dans ma chambre. Genre là, j'ai froid. J'ai pas le ventilateur, j'ai pas la fenêtre ouverte et j'ai froid, franchement. Prenez une photo de la Ford Mustang GT coupée de 65 ou de la Ford Mustang GT. Ah, c'est une photo. Je pense que je vais remettre la config de base. Miracle. Voilà. Non, non, mais en plus, en ce moment. Posséder et piloter un véhicule états-unien. C'est bien, ils ont créé le mot. États-unien. Oui, non, mais c'est littéralement marqué ça dans le défi. Alors qu'on ne voit états-unien. Pas. États-unien. Oui, états-unien. Oui, oui. Vous faites des erreurs de traduction, je crois, non ? Non, 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 non. Tu dis ça en français. C'est juste que c'est pas un mot officiel dans le dictionnaire, mais c'est un mot qui existe. D'accord. T'as jamais entendu le mot états-unien au préalable ? Non. Non, mais. Putain. Eh ben. Après, tu t'appelles Noé, donc j'ai envie de dire déjà à ce stade-là, t'as pas tout entendu. Ah le bâtard. Je crois que. Ouais, bon, Edwin, ça manque d'originalité, mais bon, bref. Hein, Oui, ah, mais je suis 100% d'accord avec toi, je manque d'originalité, je me tue à me le dire. Bah parfait alors. Bah oui. Tout court. C'est tout ce que je voulais entendre, ta part. Ensuite, Horizon Arcade, bon bah d'accord, hein, tant pis, hein, on va se faire chier. Le test, voiture et rayure. C'est pas une hybride cette bâtard. Alors, test. On va faire ça. Mustang versus Camaro. En S1-900. Et ça, c'est good. Ensuite, Labo 1. Unigan S1-900. Oula, j'ai marqué Lapo. Non, on n'est pas en Laponie. Elle me tente très bien, celle-là. Je t'avouerai que la IRE, elle me tente très bien. Alors, ensuite, Labo 2. On est en supercar moderne États-Unis. Ok. Ouais, en États-Unis. Supercar Modern USA S1-900. Le titre, beaucoup trop à rallonge. Et oui. Alors en vrai, t'as dit championnat en S1, il y a quand même un championnat en classe C. Oh. Oui, mais il n'y en a qu'un seul, mais ça. Catégorie, la catégorie. Attends, attends, attends. Ok, d'accord. On va tenter un de truc. Quoi? Je sais pas si... Ouais, mais après, ça doit être restreint en États-Unis. Bon, après, du coup, pour les stuns, c'est États-Unis S1-900. Je pense qu'on aura largement ce qu'il faut, de toute manière. Petit problème, la notif sur ton serve pour live, il parle de Minecraft. Oui, non, mais c'est normal. C'est qu'en fait, j'ai lancé le live et ensuite, j'ai pensé à changer le titre et tout. Voilà. Non, mais... Voilà, hein. Tant pis. Ce sont des choses qui arrivent. Mettez-lui un sub et vous aurez la réponse, en fait, de pourquoi. Quoi ? Non. Hein ? Non, par contre, si vous ramenez 10 000 euros dans le week-end de demain soir jusqu'à dimanche soir, eh ben, vous verrez pourquoi. Quoi ? Quoi ? En fait, ensuite... ça y est, j'ai découvert toutes les routes. Enfin. Ok, enfin. D'accord. Championnat route, Chevy versus Dodge, forcément. En S1-900. C'est quand même marrant, mais bon, du coup, maintenant je commence à comprendre que pourquoi est-ce qu'il y a certains véhicules sur les photos, c'est que c'est les véhicules récompense. Parce que je me disais, putain, mais je me disais, pourquoi est-ce qu'il y a un Hummer H1 en photo sur le championnat Chevrolet versus Dodge ? Bah, parce que c'est la récompense, le Hummer H1. Ah ouais, bah c'est ça. Mais oui. Tac. Mais oui, c'est clair. Ah oui. Et ensuite, on a un championnat Strut. Strut ? En voiture de film emblématique, C600. Ça, j'ai déjà fait. Comment ça, t'as déjà fait ? Ah oui, t'as déjà fait la voiture, ouais. Oui, 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 je veux dire... Oui. Voiture, les voitures adéquates. Pour moi, c'est quoi qui s'appelle voiture de film emblématique ? Ben, en fait, alors le truc, c'est qu'en plus, je crois qu'on voit pas totalement le titre de la catégorie. Mais faudrait que j'aille le voir avant que vous me rejoigniez pour pouvoir voir le titre complet. Mais normalement, je crois que c'est voiture de film USA. Parce que sinon, ben, je prends une Aston Martin, en fait. Hein. Il y a littéralement. Attends, voir les voitures adéquates, c'est ça. Il y en a vraiment pas beaucoup dans la catégorie, mais c'est normal, on est en C600. Ah, mais que oui. Les américaines.
Photographier la Camaro ZL1 1L2 2 pendant une course de rue. Est-ce qu'on a une course de rue? On n'a pas de course de rue. À part peut-être la toute première, mais bon. Si vous avez envie de prendre la Camaro en photo durant le test, voilà. Bah, à part si vous êtes premier parce que vous vous smurfez. tac, défi photo. Donc, alors. Camaro 2018. En vrai, je crois que j'ai rien d'autre Street à race. Faire. Ensuite, oh bah tiens, Noé, Eliminator. Ah, mais il est drôle. T'as vu, hein, c'est bien. Hein. Putain, on a encore Eliminator. ouais. Oh, mais il est drôle, cet enculé. Ensuite, je vais le démarrer, cet enculé. Objet, on a détruisez 6 ballons de football américain au stade d'Horizon. Détruire 6 ballons de football. Parce qu'elle est bien, en vrai. Stade. Voilà. Ensuite, on a deux rivaux. Un rival en saline et un rival en électrique. Hop. Peut-être c'est quoi que... comme voiture, d'ailleurs ? Je vais mettre cette... Ok. Mmh. Donc, c'est plutôt pas mal, tout ça. Ouais. Et on peut gagner une Corvette Z06 de 2023. Bah, let's go. Franchement, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ouais, j'ai pas du tout le curseur sur le jeu. C'est bon. On va faire comme ça. Ok. Alors, on va juste commencer par un truc tout con. On va commencer par aller tout de suite détruire les ballons de football au stade. Et moi, ce que je voulais... Ah bah j'ai deux tirages. Bah tiens, let's go, on fait les tirages. Y'a pas de problème. Tac, et... Il y a 200 000 crédits, bah je prends. Bah ouais. Centre de message, actu 3, on s'en bat les couilles, et bénéfice quotidien. Ouais, j'ai gagné 100 crédits pour mes réglages, yeah. On a ça. Ouais, en ligne, rivaux, mes rivaux, Docteur Meta Knight. Oh l'enculé. D'accord. Ok, bon. Ça faisait longtemps que j'ai pas entendu ce pseudo, moi. Et Noé, circuit horizon ovale. Oui, bah, ça de toute façon, on sait que, est-ce que ça te choque. Pack de voiture. C'est vrai que j'avais dit que je m'achèterais certainement le pack Hot Wheels. Bah, on verra ça plus tard. Ce n'est pas la priorité. Oh putain, non, franchement, juste Xbox, arrêtez. Arrêtez vraiment là avec votre notification. J'adore, hein, mais là, c'est tous les jours. Tous les jours, c'est point, obtenez-les avant qu'ils ne soient supprimés, mais ferme ta gueule en fait. Quoi? Alors? Ouais, c'est l'interface, enfin le Xbox Game Bar. Tous les jours, vous avez gagné 50 points en jouant, mais je m'en bats les couilles. Parfait. Oh, pas gentil. Pas gentil tout. Du coup, moi, je vais déjà faire ce que je peux. Est-ce que j'ai cette bagnole? La mission, ouais, je vois un jeu PC 50, c'est, en fait, c'est qu'à chaque fois quand tu lances un jeu, ça te... Oui, mais non, mais je m'en fous, en fait. Je veux pas les notifications pour ça. Ok. Course de rue, d'accord. Ah, y a pas moyen de le désactiver vite fait. Hein. Je vois, okay, qu'Alex lance le jeu, donc en vrai, il devrait pas tarder à rejoindre. Oh. Est-ce que j'ai une Mustang quelque part? Les modos, préparez-vous à déplacer Alex dès qu'il est en salle d'attente, s'il vous plaît. Et Zaza, grouille-toi. Quoi? Pardon, désolé. C'était gratuit, je sais. Ça, j'aime bien côté de la réactivité. Ah, une voiture de film. C'est ce que je voulais voir, c'était voiture de film. Je rappelle pour ceux qui regardent nos streams, si vous avez des véhicules que nous sommes en train de régler qui vous intéressent, n'hésitez pas à nous demander. Il y aurait peut-être moyen qu'on puisse partager les réglages en ligne pour que vous les preniez. Voilà. Alors c'est bien ça, c'est bien la catégorie voiture de film emblématique États-Unis. Eh oui. Acheter des bagnoles. C'est ce que je voulais vérifier. Et alors du coup, on va aller acheter les bagnoles pour un intendant qui se prépare faire les petites photos et tous les trucs qui vont à côté. Attends, on va créer un truc au pire. Le salon auto catégorie Ford. Hop là. Catégorie Ford. Allons. Merde. Ça, il me semble que j'ai 8 en fait. Ah, c'est alors, moi je sais même pas si ma voiture elle tourne correctement, mais c'est pas grave. Voilà, automobile états-unienne terminée, quoi.
Ah d'accord, ok, oui d'accord, donc vu qu'en fait j'étais dans ma Hunigan RS 200, bah... Ok. Pas stylé. Alors... Créer un tracé... Tu veux prendre ma place? Et quel lien? Attends, non, solo. J'ai oublié. Ok. D'accord. Sélection du festival. Une épreuve personnalisée. Ok, c'est le 65 ou la 800 de GT de 2018. Sélection. Ah, mais j'ai la 2018. Iconic Movie Cars. Elle est là. Ouvert. Donc on roule avec. Faut bien, comment dire, en attendant. Et c'est le circuit. Et alors, c'est là que je veux voir, du coup, par pays. Ok, bah c'est bien ce que je me disais. Ouais. Les panneaux de danger. Ok, ça, ça peut être pas mal. Les panneaux de danger. C'est ça, du coup, c'est trop élevé. Ouais. En vrai, il y a moyen de... Oh putain, j'ai une idée. Il y a moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner, ouais. Il arrive comme on sera, mais normalement il doit pas tarder. Non, c'était bon. Alors, quitter sans sauvegarder. Je vais aller me préparer une voiture. Franchement, les gars, n'allez pas regarder mon stream parce que là, bah vite, bah envoie-lui un message. C'est pour quelle catégorie, Edwin? Le truc de film des années, enfin des trucs de film iconique. Je vais nous préparer une petite. Je vais nous préparer un petit réglage pas piqué des hannetons. Je sais pas ce que ça va donner. Canard laqué. On est en classe C. Putain, ouais. Oh là là, ça va être. Alors, par pays. Non, attends, c'était par marque. Attends, constructeur. Ford, ça tombe bien, c'est juste au-dessus. Ah putain, en plus c'est vrai que j'en ai une Mustang GT de 2018, c'est vrai que je l'avais fait la dernière fois. Ok, j'en ai déjà deux du coup. Il répond pas. Pas cool. A pas janté, Alex. A pas janté. A pas gnan. Il a osé, Edwin. Il a osé. A pas gnan. Il faut kicker cet homme immédiatement. Meilleur sur perso. Comment ça, attends, comment ça, jante? Comment ça, il y a... Pardon? Il a vu une dinguerie, je crois, Edwin. Comment ça, il y a des nouvelles jantes? Hein? Comment ça, il y a des nouvelles jantes? Ah ouais? Moi, je regarde pas, donc je peux pas te dire. Il y a des nouvelles jantes dans le jeu. Genre, dans la catégorie jantes spécialisées, il y a 9 nouvelles jantes. Le Hooligan, c'est en quelle catégorie? C'est en S1. En quel style de course? Ouais. What? J'avoue que le Hooligan, j'en ai deux. Parce que je sais pas laquelle prendre. C'est des jantes HRE. Putain, elles ont de la gueule en plus. Ok. Il me reste plus qu'une. Attends, mais il y en a combien? Celle-là. Mais il y en a combien des nouvelles paires? Il y en a beaucoup trop. Ouais, non, mais là, pire que ça en fait. Ok, on va aller là. C'est ouf ça. Je pense qu'après c'est bon. À moins qu'il compte. Alors, vraiment le truc de la semaine, peut-être. Kit carrosserie. Oh. Oh. Oh, ouais. Ensuite, transmission. Ouais, ok. Ensuite le moteur, c'est là qu'on va se... Classe C, d'accord. Oh putain, celle-là... J'ai bien envie de faire comme ça, mais on va voir. Ok. Donc là, normalement, c'est bon. Félicitations du festival. Ok. Ensuite... En remportant une course. Ok, et là, vous estimez terminer en combien de temps? Dans pas longtemps, je dirais, mais en vrai, si j'ai encore un peu de temps devant moi, là. Oh. Ok. C'est drôle, ça, moi j'aime bien. Ouais, j'ai plus de points forts à temps. Oh, la dinguerie. Est-ce que, par rapport au truc de la Ford Mustang, est-ce que vous voulez qu'on le fasse ensemble, la course, ou pas?
Ouais, mais de toute façon, on attend un peu les configs. Moi, j'attends déjà que Alex il arrive. Ce serait pas mal qu'il arrive soon. Oui. Ouais. Que bon, si on fait un décalé, après on va terminer en décalé. Et il y a des gens qui travaillent encore demain. Eh oui. Eh oui. Eh oui, attends, oui. Tac, on va essayer du coup de mettre des jantes en attendant, des jantes un peu. Il y a écrit trésor de grange que j'ai pas découvert ici. Comment ça hein? Voilà, comme ça, je descends bien mon poids. Hello les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Salut Kylian, comment tu vas? Bah, ça fait plutôt ça va et toi? Un trésor de grange que j'aurais pas fait. Ce serait pas mal ça. Où il peut ouais, être. Ça va être drôle ça. Ah, ça va être très très drôle. Ça va, super. Quoi de beau? Ça, les freins, c'est important. Oh putain, si je mets les freins courts, ah. Oh là là. On va tenter ça. On est d'accord que les voitures des films emblématiques, c'est les muscle cars classiques. Hein? Ouais. Non. Non, c'est une catégorie à part entière. Oui. Voiture de film. Ouais, c'est une catégorie que tu ne trouveras pas. En fait, faut vraiment que tu vois en pré-sélection d'une course, en fait, pour comprendre. Ah, donc ce sera d'autres chargeurs, un truc comme ça, quoi, alors. C'est où que je peux voir le trésor de grange? Ouais, je pourrais pas monter plus, donc faut que j'aille juste là et là. Oh. Est-ce que ce serait pas directement là, ça peut-être? Fait quoi de beau qu'il learn? Garage, trésor de grange. Je peux pas, putain, je peux pas mettre ça, sinon ça marche pas. Il y a une voiture que je n'ai pas encore découvert. Oh bah écoute, ah bah je vais me gêner là. Oh, je vais me gêner. Oh, je vais me gêner. Vas-y, on va quand même essayer de mettre des belles jantes. Maintenant qu'il y en a des nouvelles, on va voir un peu... Mais où est-il? Normalement, j'aurais quand même un... En vrai, j'aurais quand même un signal normalement, mais je le vois pas. À moins que c'est une vieille maison qu'il faut acheter que je peux le découvrir après. Non, pas. Non, mais il y a des explications de... Oh là là. Ah ouais. Ouais. Toi, tu vas venir là, ouais. Ouais. Je sais pas si Edwin il est en train de se jouir dessus par rapport à une performance potentielle du bagnole. Ou si c'est purement esthétique. Les deux. Enfin, surtout esthétique, en vrai. De toute façon, tu me connais, moi, j'ai toujours été plus dans l'esthétique. Réglage. Ok. Oh, oh, oh. Viens par là, toi. Les gars, c'est dangereux de faire un 0 à 100 en 4 secondes en classe C. Mais comment tu fais? je dois espionner. Non. Faut pas. Impeccable. Chris, par contre, c'était quoi le réglage? C'était dans les amortisseurs qu'il fallait changer la rigidité? Alignement, ok. Et c'était à quel paramètre? C'était carrossage? Ah, attends, alignement, tu mets le carrossage moins 0,5 les deux, et ensuite dans les barres anti-roulis, tu mets la première à 1 et la deuxième à 65. Attends, moins 0,5 les deux et barres anti-roulis. À fond en avant et à pas fond en arrière. Ouais. Ok. Attends, non, là, ouais, la barre du haut, tu la mets à 1, donc tout à gauche. Et la deuxième, ah, ah oui, ok, je les ai inversés. Putain. Ouais, non, là, j'allais juste tourner des roues arrière, en fait. Oh, putain, la dinguerie, là, que je suis en train de préparer. Oh, my God. Ah, I like that. Ah ouais, je vois le mec. Ah ouais, d'accord. Oh, ouais, j'ai dit de... Non, tu viens de te spoil. Oh non, mais je comprends mieux le cheat code. J'ai fait une Toretto. Ah non, ouais, c'est bon. Ok, tu me battras sur ce tournoi, mais je ne te battras pas sur le S1. Oui, il va rage quitte. Tu me battras pas sur les autres, hein. Je te le dis, hein. Chris, il sait très bien ce qu'il a pris et tu sais très bien ce qui va t'arriver. J'espère que ça rend bien là-dessus. J'espère que ça rend bien là-dessus. Je disais que t'as pris cher, Chris. Coucou, mais tu vas le prendre encore cher. Je le prends encore cher? Ouais, tu vas prendre encore cher, ouais.
Attends. Et ouais. Oh, j'aime bien. Ah, j'aime bien. J'ai peur, j'ai peur. Ah, putain de merde. Ok, donc ça, c'est configuré. Je sais pas, c'est genre en plus peur quand j'entends Ed de dire « Ah, j'aime bien !» ou d'entendre plutôt en mode « En vrai, je crois que c'était le seul truc que j'avais besoin de configurer. Non, ou une Hunigan. J'ai pas configuré de Hunigan en SN900. Et après, on va pouvoir totalement faire les premiers trucs. Hunigan SN900, c'est vrai que j'en ai pas configuré par défaut. Tant pis, on va... Il nous mettra la branlée sur cette game-là et après, on va lui remettre ailleurs. C'est pas grave. Ouais. Pas grave. Genre les supercars modernes, tu vois. Oui, voilà, et surtout en Hooligan, parce que j'ai une bête de voiture. Elle est pas configurée, celle-là. Comment ça va être, monsieur? Bah écoute, franchement, ça va tellement mieux que tout à l'heure. Ah non, parce que vraiment, j'en pouvais plus tout à l'heure, ça me cassait les couilles. Je suis vraiment pas sûr de celle que j'ai fait, là. Enfin, j'en ai deux, il y en a une qui va guider l'autre. Tu vois, j'ai rien contre mon taf, hein, mais genre juste ça m'a cassé les couilles. Enfin, bon. Confirme, ouais, ouais. Ah non, mais totalement. Ah, mais j'en pouvais plus. Hein. Ah, c'était relou. Ce Camaro en S1, ça va, j'en ai une de chaque. Une de chaque. Moi, je joue beau jeu, moi, je prends les véhicules. Qui ont été glissés dans la Noé, liste. Noé, ne rage pas. Alors que l'autre, il prend une voiture limite abusif, mais bon. Voilà, c'est Edwin, il a besoin de compenser quelque chose qu'il n'a pas. Du skill. Voilà. De... Quoi, on parlait pas de la même chose. Boîte de vitesse. Oh, pardon. Ah merde. On va se mettre comme ça, ça sera encore plus drôle. Et on va se mettre. Voilà, différentiel drift. Comment ça, différencier le drift? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, lui? Donc, sa voiture, ça... Alors, il y a deux possibilités. Soit sa voiture, c'est un gros flop. Soit c'est l'idée du siècle, en classé. C'est ça le problème. Kubaka. C'est un des deux. Ah, oh, en classé? Non, pas en classé. Oh, t'es malade, toi. Si, en classé, tu me parles. Non, mais ce que je fais, c'est pas en classé. Ah! 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 Ils disent Alex? Ah! Ah! Alors je tiens à noter le message de Zaza qui vient de tomber à l'instant. Vous êtes sûr qu'il va bientôt venir? Il est parti sur un autre jeu! Alex, tu es parti sur un autre jeu? Et ouais, le temps que les trucs se lancent, j'ai le droit de choper une connexion quotidienne sur un jeu! Tu es parti sur un autre jeu? Ah, je sais, je vous trahis la confiance là. Ah, elle nous trahit! C'est juste Zaza qui est pas capable de faire son boulot de modératrice, c'est tout. Hein. Oui, c'est juste Zaza qui m'envoie un message en mode « passant file d'attente !» Je suis pas là. Ah, là, j'entends qu'elle me défonce, là, à peu près. Je m'étais jusqu'où... Enfin, j'ai juste allumé mon ordi, le temps que ça cuise. Après, je suis parti... Ça cuit. Attends, est-ce que je peux régler un tout petit peu la jante ou pas? C'est la famine, tout ça, ça touche tout le monde, hein. C'est bien, ça. Ah, j'aime bien! Par exemple, le son de lancement qui est toujours trop fort, pareil, voilà, c'est toujours le monde. Attends, Del Stadio, c'est où Del Stadio? C'est le cousin de Del Pielo, là. Del Pasito, Pasito. Pas là. C'est moi qui ai bougé, alors mon rôle de modo, je te crois, oui. Je vais aller dodo, je vous souhaite une bonne soirée, des bisous. Des bisous, Zaza. Prends soin de toi. Bisous, Zaza. À demain. Tchou. Bien. Bon, bah écoutez, moi mes réglages sont prêts. Parce que de toute façon, en mode USA, j'ai envie de te dire, on a toujours des véhicules de prêt. Oui. Voilà. Et pas comme les véhicules de prêt. Par contre, j'ai pas la voiture du défi photo, je crois. Je vais voir si j'ai la voiture du défi photo. Alors. Je peux l'arriver, j'en peux plus déjà de moi, putain. Ouais, j'avoue, moi non plus, j'en peux plus déjà de toi. Quoi? Hop, voilà, je me suis mis en lurk sur ta chaîne, comme ça monte le taux d'heure de regarder. Quoi? Ouais, mais ça monte pas le nombre de clips réalisés avec leur vue. Bah oui, moi je joue, moi, je peux faire comment? Voilà. Par contre, ah oui, d'accord, c'est pack de... D'accord, ok. Ok, d'accord. Ça marche, ça. Merci. Okay. Et lui, c'est-à-dire, enfin, leur sujet, oh, est-ce que le serveur Minecraft, tu l'as remis en route ou pas? Ah, parce qu'il s'est éteint? Bah oui, c'est impossible de se reconnecter derrière depuis que je l'ai fait crash. Bah oui. Je vais avoir une facture de la part du fournisseur, je te l'envoie.
Ah oui, et du coup, je demanderai si c'est possible d'aller dans de se connecter, d'aller dans l'Ender avant que je veux co, pour éviter que je défrise en mode entouré, parce que quand tu te déco, il se passe plus rien. Donc j'ai peur que je me prenne un gangbang, sachant le temps que je mets à me connecter sur le serve. Je vais me faire agra. Oui. Non, mais après, t'inquiète, il y a le temps. Tu me fatigues, Alex. C'est pas ma faute, il y avait des grands noirs qui me poursuivaient. Quoi, vois, j'ai envie de dire exactement comme Bébou. À peine arrivé, j'ai déjà envie de quitter mon cerveau. Ben voilà, c'est exactement moi là. Oh, t'inquiète, j'ai envie. Lorsque j'ai crashé le serveur, j'avais envie de déco mon cerveau aussi. Voilà. Tu déco le serveur ou le serveur Non, mais c'est la faute de Matsu. Elle voulait voir comment je farmais voilà, mes coffres à blagues là que je t'ai fait. Hein, voilà. Coup, et non pas tes coffres à blagues, je vais pas finir ma phrase. Tu arrêtes ça de suite. De suite. Mais du coup, si je crée un coffre de l'End, est-ce qu'on peut dire que c'est un coffre esclave? Oh my god. Govizio, comment ça va? Bon, moi, j'attends. Je suis prêt. I'm ready. Moi, j'attends ce Satan des jeux hein, qui se lance, comme d'hab, qui met trois plombes. C'est quoi ça? Acheter des coupons de voiture du salon auto? Parce que je suis un vieux dinosaure qui installe ses jeux sur disque dur, basique. Aïe. Alors, sache, Alex, que moi, je risque de bugger parce que, comme un con, j'ai lancé Forza sur le PC. Ah! Et as-tu libéré de la place là où le jeu est installé? Attends. Hop, voilà, on applique le réglage du ventilateur. Tant que t'es pas comme un de mes potes qui sont pseudo sur mon Discord, c'est le gouffre à gland. Ok. Quoi? Hein? Non, mais je juge pas. Hein. Non, mais je déconnecte mon cerveau, moi, ça va plus là. Ouais, t'as raison. Franchement, à ce stade-là, ouais. Déjà, j'ai passé ma journée à rouler, c'est bon quoi. Eh, c'était génial pour rouler en vrai, pour rentrer et rouler au final sur un jeu. Eh, si ça c'est pas beau. Tu m'étonnes. Ah putain. Oh, je viens de voir un gars qui avait pris une voiture qui avait la décoration de Sean dans Tokyo Drift, la verte, avec le truc de Hulk. Lebzes. Et du coup, ça fait. Enfin, comment dire, c'est genre. Du coup, tu bosses pas en ce moment, Visio. Plus de ouf. Ah, j'ai plus d'image de chargement. Finalement. J'ai plus d'image de chargement. Ah, ça y est. Ah, ça. Alors, déjà, je commence avec une Peugeot. Je pense que je suis très loin de l'américaine hein, en termes de voiture. Ah, d'accord. Aïe. Cohérent. American, fuck. Oh, la Cadillac. C'était la petite Ford là. La petite Corvette 706. Ouais, bon, ça, automne, bon, moi, je suis prêt. Ça bat les couilles, et printemps. C'est censé rajouter un truc, ce que je fais. Tasty. Et après, prochain... Rouler, hein. Ah, le prochain truc, c'est Noël. Noël. Et oui, le prochain truc sera Noël. Les copains. C'est comme Noé avec ouais. Un L. Oui. C'est quand vous voulez. Mais est-ce que t'as compris qu'on était en train de faire des réglages? Mais vous êtes lent, c'est tout. Oh, mais vous êtes en train de faire 40 ans attends, étages, Horizon Arcade, mini-jeu. C'est bon, ça en fait, on s'en bat les couilles, y'a pas besoin de voiture, ça en vrai. Eh ouais, t'es. Ah là, mais c'est ces gens qui invitent là, sens, sans demander. Ah putain. Noé, si t'es prêt, il reste plus que à ce que tu rejoignes le convoi. Oh, les voitures adéquates, c'est quoi le test? C'est quoi? Ouais. Faut m'inviter. Parce que bah t'es le dernier à devoir rejoindre, hein. Tous les autres ont rejoint tout seul. Attends, t'as pas reçu l'invitation? Bah moi je ne reçois jamais d'invitation via ce truc là. Ce truc là? Eh le truc là? C'est mal fait, c'est codé. Le truc! Le alors le skin pixelisé c'est surtout parce qu'en fait j'ai pas du tout optimisé mon jeu. Vu que je suis sur le PC en fait j'ai mis mes trucs à fond vers le bas parce que sinon ça fait tout bugger. Ou baguette de ping. Ah attends, moi à la limite il y a une voiture que faudrait que j'achète pour voir. Alors. On va aller à la maison, on va changer de tenue. Camaro. On va se faire belle pour ce soir. Là là. Camaro, c'est chaud. C'est la ZL1 2018 qu'il faut prendre pour.
Le test normal. Non, non, pour le défi photo. Ah bah ça tombe bien, c'est là que j'allais prendre, quoi. Ouais. Alors, pour le test, ça va être Mustang versus Camaro en S1 900. Ah, c'est celle-là ou c'est pas celle-là, attends. De toute façon, là, en vrai, je pense que j'ai des voitures uniques pour chaque truc. Ah non, Supercar moderne USA S1 900, je l'avais pas vu. Attends, mais attends, attends, le test, c'est quelle voiture qu'il faut prendre? Ah, je cherche ma dignité en disparition du chat. Bah, t'inquiète, pendant que tu vas chercher ta dignité, tu vas croiser plein de trucs comme le respect. Quoi? Attends, c'est des c'est pour le test, c'est des Camaro qu'il faut prendre, je sais même plus. Putain, j'ai cru que c'était Camaro contre Mustang. Ouais, non, pas du tout. En vrai, il est beaucoup plus. C'est ça, Camaro contre Mustang, n'importe quel Camaro, ça passe. Le tarot. J'en ai marre des fautes de frappe, je te jure. Ah putain, bonne soirée. Ouais, ouais. T'as qu'à dire qu'on est des bonnes aussi. En vrai, celle-là, elle est en A, mais si je la passe en S1, ça passe, ça passe. Oui. Mais en tout cas, des bisous à toi, Snick, ça fait plaisir en tout cas que tu sois passé. Repose-toi bien également. Ah bah la bise à Snick, c'est du coup. Voilà. Parce que moi, il me dit au revoir, mais pas toi. Tu vas faire quoi? Oh, le chanceux. Super car moderne. Ouais, mais un VIP a un boule qui chamboule. Oui. Quoi? Quoi? Ah, VIP. Putain, j'avais compris VIP. VIP a un boule qui chamboule. Ouais. Hmm. Comment ça, un boule qui chamboule? Hein? Chamboule tout? Je sais pas quoi tu parles. Ah là 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 là. Tu sais, Alex, quand tu m'as envoyé un message en disant je sais pas à quelle heure je vais arriver, moi je venais à peine de rentrer chez moi à ce moment-là. J'ai regardé le machin, j'avais envie de te répondre. Me too. T'inquiète. Me too. Qu'est-ce qui me baragouine celui-là encore? c'est. Ok, ok, on est deux. Alors en vrai, j'en ai pas de prévu, putain. Bah tu vois, j'aurais lancé, mais c'est du grand imp. Ouais, bah oui, ça du coup, c'est voilà. Pas du tout filtré. Eh putain, on peut pas les filtrer autrement. Et non, on peut pas. Mais elle est tarée cette chatte. Après, je me régale depuis la dernière match de GT7, mais je veux bien te croire. Graphiquement, c'est encore plus beau, mais je veux bien te croire. Et j'aime les chipotas, je veux bien te croire. Après, tu vois, genre, si j'étais sur ma série X, on aurait le vrai rendu. Hein. Ma série X est très très belle. Ouais, on a des trucs. J'ai dit que c'est la série X qui était belle. T'écoutes bien. Bien écouté. Kira. Type de voiture. Supercar moderne. What is to buy? En vrai, non, j'aime pas trop. Donc, on va changer. Y'a rien de. Y'a rien d'excès. Bah, de toute façon, j'ai déjà tout. Ok, ouais, donc, comme ça, au moins, c'est réglé. Type de voiture. On va reprendre le supercar moderns. Yo, it's the modern cars. Ça va être de la triche, mais je pense qu'on va faire ça. T'inquiète, les futures techs utilisées pour un Grand Turismo 8. Mais totalement. Mais moi, j'attends surtout la technologie utilisée pour le GTA qui va sortir. Ah! Ah! Et le GTA! Ah! 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 Ah. Voilà, voilà comment ça se passe quand deux hommes ont du sexe ensemble. Quoi? Hein? Et ça, c'est quand tu rajoutes un chien dans la... Quoi? Bizarre. Bizarre, mon ref. Bizarre l'ambiance. C'est pas mal, ça. Moi, j'aime bien. T'aimes bien? Ok, moi j'ai meilleure chaussette du monde, c'est bon, je vais gagner. Hop. Et moi j'ai envie d'aller pisser, donc je vais aller pisser juste... Ah là là, il m'énerve, il va pisser là. Oh, ça c'est beau ça, moi j'aime bien. J'ai pas un test à n'importe quoi, ma fille. Est-ce que j'aurais pas un klax? Oui, papa. Va pisser. Ouais, je te jure, j'ai totalement envie d'aller pisser, mais je veux finir ma voiture avant. C'est quoi, le challenge. C'est ça. Parce que je suis en train de faire comme voiture, je suis en train de faire une manuelle là, mais. Ouais, je vais pisser, j'arrive. Oui. Le gars est dispo sur PS5, PS6, PS7, série X et S, X, Y, W, je te jure. Attends, j'arrive. Hop. On est prêt avec notre X-ray là. Il va falloir que je continue moi ma fabrication de manette là.
Ma fusion de manette série X et de One X. Ah là, c'est les voitures Unigan, d'accord. Unigan. Ouais, je suis en train de dire, mais je pourrais faire des épreuves en attendant. Vu que les gens qui me servent de copains, ils sont un peu mon loup du genou. Oula, je peux parler. Ouais. Et quoi? Ils sont mous du genou. Y arriver. Je vais t'arriver, je permets pas. Et plus vite, ce sera l'autoroute de Mexico vers la maison, Alex. Moi je chmouffe. Moi je sais. Pour rappel, je vais battre un temps. Allez, on va battre des temps. Ça va foutre. Alors. Est-ce que t'as besoin des différents championnats, Alex, au fait, ou pas du tout? Attends, ils disent la voiture Unigan, mais je peux pas les trier de celles que j'ai et que j'ai pas là. C'est bien, mais. Bizarre tout ça. Virissus. Sûr. Virissus. Parce que Virissus, c'est quand même pas autre chose, quoi. C'est non, mais Virissus, comme on dirait. Oui, Virissus. Unigan. Bim bam bam bam, bim bam bam. Bim bam bam. Tu veux dire en S1? Je viens de custom la Corvette sur GT7, j'ai pas cet aileron, un scandale. Tu m'étonnes. Ouais, d'accord, c'est bien les voitures Unigan. Hein, Unigan. 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 Non, Unigan. Custom. Oui. Oh, le bloc moteur. Oh, le bloc moteur, tu fais plaisir. Oh, S1. Oh, le S1900. The perfect car. Installer le réglage. Oh damn. Oh damn boy. On va sortir du 1000 chevaux. Tu parles en quoi en... 100. Ok. Ok. Attends, mais pour quel championnat je veux dire? Accélération, elle est juste fumée en fait. Pour le Labo 2, supercar moderne. D'accord, non, parce que moi je te sors du 1000 chevaux, mais pour le Corvette versus. Enfin, Camaro versus Mustang. Ok, bah moi c'est ni une Camaro ni une Mustang, comme ça. Est-ce que c'est bon pour vous, monsieur? Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon pour nous, ouais. Par contre, j'ai un 0 à 100. Genre, même pas une seconde. Je sais que le dernier Forza Motorsport. Ouais, bah grâce au Game Pass en fait. De toute façon, oui, je crois que c'est pour cette raison-là qu'on l'a dedans aussi. Création et peinture, vas-y, trouvez de nouvelles créations. S'ils me la mettent en jaune, franchement, c'est un scandale. Écoute, ça se plaît, hein. Mais oui, de toute façon, je l'ai testé même d'ailleurs. Il y a la VOD qui est trouvable sur YouTube. Il vaut le coup? Non. Je veux dire. C'est un très bon Forza, c'est un très bon motorsport. Il y a plein de choses qui sont vachement intéressantes dedans. Il est buggé. Pour le moment, il est pas mal buggé. Maintenant, faut voir en fait plus tard. Pardon ? Ouais, moi je suis chaud là. Mais qu'est-ce qu'il a, Chris ? Me dis pas qu'il a fait une voiture d'enculé. Peut-être. De toute façon, ça ouais, quoi. Il y a des bugs dedans en fait. Voilà. C'est là où ça me mettrait un peu un coup dans le dos. Je suis en mode ah, je vais vous battre avec ma voiture. Et là, d'un coup, il sort une bagnole qui me sort de nulle part et il me bat. Je suis en mode bordel. Et je pense qu'il va m'arriver ce soir. Putain, les virages à 300, elle tient ma route. Enfin, elle tient la route, ma voiture. Bonjour. Je crois qu'il y avait un pont. Ah mais attends, Ed, faut que tu vois ça. Non mais déjà, je vois une voiture qui tient la route, c'est n'importe quoi. Ces réglages, ils ont jamais été comme ça. Oh, le mec, il y a une voiture qui tient la route, c'est n'importe quoi, c'est... franchement. Coucou Alicia, comment ça va? Sortie de trop vite. Non, non, voilà, je pense que...
Je pense pas que ce soit un problème de sortie en fait, c'est plutôt que... Je sais pas. Après, j'ai testé sur le PC, pas sur la Xbox. C'est un pro plus, hein. T'es prêt? Ouais. J'adore les voitures Twist. Putain, c'est... Oh, mais c'est vrai que t'as les DLC, putain. C'est un tricheur, d'accord. On retiendra. Très franchement, Twist Route, c'est zéro. Ouais, bah, tu m'étonnes. Attention, il y avait un avion. Ça va et toi? Bah franchement, ça va. Ça va. J'avais pas trop le mort tout à l'heure, mais grâce à des gros cons qui sont en vocal, ça va. J'arrive! Yeah! Oui. Ah ouais, Chevrolet Hot Wheels Copo Camaro 2018. Police! Ah! Mais Chris, mais c'est une voiture de drague, Michel. Non. Je vois qu'Edwin t'as... Mais Edwin, Edwin manque d'originalité, Edwin. Les Hoonigans, on est d'accord que c'est S1, hein, c'est ça? Oui. Oh, ok, ok. Bizarrement, est-ce Edwin que, oui. Est-ce que franchement, mon départ, c'est un truc de drague? T'es prêt? Est-ce que franchement, c'est une voiture de drague? Je vois pas de quoi tu parles. Quand même. Est-ce que le fait que quand je tourne, elle dérape, c'est un truc de drague? Enfin, je vois pas de quoi tu parles. Non mais tu dérapes pas, tu te laisses juste glisser mon gars. Le mec il freine et ça le fait partir le plus. Par contre moi ce que je constate c'est que Edwin Mais tu sais que j'étais en train de la régler avant que tu sois né en fait. Non, cette bagnole j'avais utilisé il y a 2 semaines, je vous avais battu et du coup bizarrement Non mais tu te rends compte que littéralement pour pouvoir faire la catégorie supercar moderne t'as le choix entre une Corvette et la Ford GT de 2017. T'abuses un peu. Non, je te jure, va voir Supercar Moderne, grosso modo, c'est ça. J'ai regardé. C'est Supercar Moderne USA. Hein. Oui. Bah moi, j'avais que ces 3 voitures-là te proposer. Hein. Ah, il y a un Chris. Attendez-moi, j'arrive. Ah mais attends, mais premier labo, putain, c'est premier labo, c'est mixte, putain, dirt tout là, putain, merde. C'est toi qui as ralenti, Noé, ou c'est juste ma voiture qui a plus de patates? J'ai pris des décors, mais... Je crois que j'ai oublié un détail sur la voiture. Fallait prendre Ford. Oui, mais non, Ford GT 2017, elle est un peu naze. Tu vas combien? 330. Ah, oh, fuck, il y a une voiture. T'as pas mis des ronds avant? Non. What's ok, moi j'en ai mis un, c'est pour ça. Pourquoi tu vas plus vite toi? Bah je suis à 320. Ok. Et non, je mets jamais de truc à l'avant. C'est difficilement atteignable. Par contre j'ai mis un sacré aileron arrière. Après j'ai pas réglé du tout mes ailerons pour mettre virage ou vitesse ou quoi que ce soit. Est-ce que moi c'est le cas? J'ai même plus réglé la bagnole. Ah oui, moi il y a beaucoup de dans le virage en avant, oui. Bah si tu le bascules en vitesse, ça va peut-être te permettre d'aller un peu plus vite. Oui, mais j'aurais moins d'adhérence et moins de G. Ah bah c'est toi qui vois. Hein. Du en coup, fait, ouais. Du coup les gars, oui. Où est-ce qu'on en est là actuellement? Bah moi je vous attends depuis... Deuxième labo. Ok. Acquise. Bah, écoute, moi je vais aller voir, je vais aller voir au stadium hein, pour aller chercher les stadiums. Hein. On a des trucs à récupérer au stadium, donc autant y aller maintenant, vu que c'est pas des consommables. Attends, c'est quoi? C'était la labo que tu disais que t'avais le choix entre une Chevrolet, Ford GT, un truc comme ça? Labo 1, Hoonigan S1900 et Labo 2, oh, Supercar oui. Moderne USA S1900, ouais. C'est ça. Mais c'est ça que tu disais que t'avais pas beaucoup de choix de voiture? Ouais, c'est ça, genre il y avait 2 Corvettes et une Ford, quoi. Hey, j'ai une Corvette Stingray, j'ai une GT, j'ai la Lexus et j'ai la Saline. La Lexus, elle... Non, mais... Oui, mais c'est Supercar Moderne, c'est Supercar Moderne USA, Alex. Donc la Lexus, la LFA Lexus, c'est dans les voitures proposées. Mais Lexus, oui, c'est... Mais oui, Lexus, c'est américain. Mais non, Lexus, c'est le haut de gamme de Toyota, c'est japonais. Mais oui, Edwin, c'est pour le américain. J'ai cliqué sur voiture adéquate, il me l'affiche. Tu crois que je vais mentir? Mais putain, mais... commerce américain, eux. Mais putain, mais j'aurais su, c'est celle-là que j'aurais su, justement. Et bah voilà. Bah non, j'ai déjà réglé ma Corvette.
Ouais, bah je la... En plus, comme ça, je te laisse le privilège de prendre la Lexus. Oui, bah, de toute façon, c'est pas comme si j'étais à ça après où on piquait ma bagnole. Oh là là ! Pourquoi t'as quoi, toi ? T'as quoi, j'ai la même Corvette que lui. C'est la Corvette que t'as quand tu... auparavant, mais que bon... C'est la Corvette que tu gagnes quand tu joues à Forza Motorsport, en fait. Je n'ai pas vu l'émoji du dauphin que t'as fait sur le... D'accord, ok. C'est la marque US de Toyota. Alors non, Lexus c'est le haut de gamme de Toyota, c'est pas la marque US. Oh les réductions qu'a dit ça. Par contre, si par là tu sous-entends que c'est avec cette marque là qui touche le plus les États-Unis, je peux le comprendre. J'ai deux Lexus. What the fuck? Attends, pourquoi j'ai une Lexus qui est en tout terrain qui a 4,5 et l'autre qui a 5? Elles sont rien de différentes. Et l'autre qui a tenu une route 6-6 et l'autre 6 tout court. Ouais, il a raison. Pas les mêmes, il y a même la NSX. Hein. Quoi? Il y a aussi la Acura NSX en supercar moderne aux États-Unis. Game. D'accord. Cette Lexus est modifiée, ce n'est pas possible. Bah à ce stade-là, moi j'ai envie de te dire, hein, voiture de film C600, il aurait fallu rétrograder la Lexus LFA en C600, en soi. Bon, au pire, t'as tout compris. C'est pas grave. Il faudra qu'on commence bientôt de toute façon. Ouais. Ah oui, je me dépêche. Bon, attends, du coup, hop. Mariachi là, Mariachi, Bengaki. Bengaki. Parce que malheureusement, on va manquer de temps après. Oui, mais ça c'est pas grave, de toute façon. Le sommeil, c'est... qu'est-ce que c'est le sommeil? Non, mais moi réellement, je tiens à pas me coucher trop tard. Moi je tiens à rester en vie pour demain, mais je me dis que je suis pas à ça prêt. Je comprends. Voilà. Mais tout le monde n'a pas la même mentalité, Edwin, actuellement. Oui. Donc, faut respecter les choix des autres. Oui. De toute façon, là, on n'arriverait clairement pas à faire tous les trucs, toutes les activités. Hein. Là, on a 2 heures, vu qu'il y a les rivaux, etc. C'est mort pour qu'on fasse tout en stream. Oui. Ça fout d'Alex. Oh, le bâtard. C'est moi, j'ai pas du tout lancé mon stream déjà à 21h15, donc voilà. Hein. Non, j'étais pas à l'heure. Toi, t'étais pas prêt à l'heure, t'étais 2 heures en avance. Ballon des football. One. C'est S1, toujours S1. Ouais. Ils aiment bien les S1. Bah franchement c'est cool là. Ah, what the fuck? C'est toi qui m'as foncé dedans, c'est pas toi qui t'es foncé dedans. Non, c'est toi qui t'es foncé dedans. Ok. C'est toi qui étais en train d'accélérer. Hein. Oui mais moi j'étais sans ma voix, toi tu t'es incrusté depuis Non mais c'est... T'as fait le gazon et d'un croûte et d'un croûte et t'es et d'un croûte et d'un croûte. J'étais en train de rouler et d'un coup, Michel il arrive sur ma voie comme si c'était un tracteur voilà. De l'espace vert là. Objet à collecter, c'est bon, c'est fait. Voilà. Ensuite, photographier la Camaro, mais on peut pas la faire tout de suite. J'ai changé ma voiture pour la supercar moderne. Bah, on t'attend du coup. Comme ma Lexus. Allez régler tout déjà. Bah, moi, oui. Hop, la Lexus, installer réglage, oui. Acheté. Hop là. En attendant, j'avais muré avec avant. En vrai, en attendant, on va juste voir certaines bagnoles. Alors, du coup, on a dit des panneaux danger. De quoi? Faire 6 étoiles en panneaux danger avec des forts. Non, parce que bah, pendant que. Hein, voilà, bah, moi je commence déjà à faire les défis qu'on peut faire en session libre. Ah, ouais, il est comme ça le mec. Ouais, du coup, j'ai détruit les 6 objets à collecter là. Moi, j'ai déjà fait, moi, depuis longtemps. De toute façon, ça ouais. Même pas attendu. Hein. Voilà. Bah, j'ai pas votre temps. Il y en a qui bossent, hein. Bah, oui, Twin. Ouais, il y en a qui bossent jusqu'à 19h40, Noé. Il hein y en a qui se lèvent à 6h45. Visiter la piste ovale du stade en mode libre. What? Ah ouais? Je vais venir gris.
Mais tu es déjà Radar, radar, drift. Non, du coup, championnat. Bleu, championnat. Je vais me taper un mur invisible du coup. Championnat, c'est du C. Du C ? Du C ? Du C ? Mais si, du C là ! Oh, et eh ouais, et ouais, oh. 300 mètres en. C'est vrai. Eh ouais, biba biba boomba. Gong gong ging gang. Pardon. Ah ouais, carrément. Ouais. T'as vu ce mec ? Oh ta gueule. Bah ah. C'était gratuit ça. Je reconnais, ça coûte pas cher. Ça se mange bien, ça se mange sans faim. Ok, faisons... J'ai une oeil à moyen que t'aimes la déco de ma Corvette. Ah ouais ? Ouais. Ok. Ok. On verra. Alors, c'est la marque haut de gamme basée en US, un peu comme Nissan, ça filait l'Infiniti. Ouais, c'est vrai qu'Infiniti, par contre, ça se ressent quand même plus. Alors que Lexus, genre, il y en a par chez nous, donc c'est pour ça, en fait, que je vois surtout la grosse nuance. Parce qu'Infiniti, oui, je suis d'accord. Même si le siège est au Japon, oui, non, mais après, voilà, c'est clair que, voilà. Ah, mais celle-là, je vais pas la toucher comme voiture. Ça me ferait chier de la modifier. Okay. Mais bon, au moins, oui, non, tu as bien fait de faire les recherches, au moins ça. Voilà. Nouveau calcul de l'itinéraire. Putain, ils volent pas très loin. 340 Camaro mètres. Super Sport coupé, d'accord. Je crois qu'il faut faire 350 coupé. Pour avoir les. Camaro Super Sport coupé. Alors... Oh, Super Sport coupé. Elle est là. Vroom. Dans Infinity, on voit plus trop dans les jeux. Bah, j'ai envie de te dire, ils sont très présents. Hein. Alors, par contre, Infinity, je crois que c'était la Infinity G65 qui était présente dans le film. J'allais dire Suicide Squad ou Batman v Superman, c'est l'un des deux. Puisque c'est la voiture que le Joker possède, mais avec un kit carrosserie ultra modifié. Faites demi-tour dès que possible. Dans 200 mètres, tournez à après, en termes d'apparition iconique de Infinity, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Hein. Peut-être dans Motorsport 7 en vrai, mais c'est pareil, ça date aussi. Non, par contre, moi, il y a une marque que j'ai envie de voir un peu débarquer, c'est Genesis. L'autre fois, il y avait un rassemblement par chez moi et j'en ai vu une qui était garée, une G35, je crois que c'est, ou un truc comme ça. Et genre, ça m'a un peu fasciné parce que du coup, c'est une marque qui est pas du tout connue, mais qui font des très très beaux véhicules. Voilà. Ok, donc là normalement les 6 étoiles d'Angers, ça doit être bon. Muscle céleste terminé, nickel. Muscle. Et toi Alex, où en es-tu? J'ai quand même fini de régler la première voiture de championnat là. Nice. Et du coup il reste à la tout dernier. Alors coup de pub saisonnier, il y a quoi à faire? Il y a zone de vitesse. Ouais. Radar et zone de drift. Ok. Zone de drift, j'ai fait avec. Ah bon, c'est les réglages, oui. Installé. Ok. Enregistrement. Si on peut se passer dans la voiture pour le NASCAR, aucune idée. Alors là, par contre, je saurais pas du tout te dire. Hein ? Il demandait si Genesis, ils étaient pas spécialisés dans les voitures du NASCAR. Enfin, pour le NASCAR. Ouais, bonne question. Quand même faire 289 avec une S1900. C'est jouable, hein, mais. Ah,
Alors. Bon, de toute façon, c'est pas compliqué. Type de voiture. Non. Pays. United States. Filtre. S1. En train de faire les trucs là. Ah ouais, Lexus, elle est considérée comme dans la catégorie États-Unis, ça me fume. Ah, je suis sur le cul. Attends, ça s'appelle comment la voiture ? Laquelle ? La Lucide, d'accord. Ok. Ah ouais, ouais la vache, c'est électrique. Celle-là, hein. Je pense que... Waouh. Ah oui, d'accord. Ah, ça bombarde. Ouais. Par contre, ça tombe pas, hein. Ça tombe pas, cette chose, hein. C'est une balle de... C'est un missile, en fait, c'est une brique. C'est Nidwin en fait, cette bagnole. Quel bâtard! Je suis une brique. Une grosse brique. Ouais. Est-ce que tu aimes ma brique? Mais très belle brique. Ah oui. Eh mais c'est une insulte, enculé! Quoi? Sale bova! Hein? Hein? Oui. Hein? T'es mais... trop beau, Edwin, voilà! Vérité en face, comme on dit. Oui. Oui. Parce que sûr que ça va bien là. Pourquoi quoi? Quoi? Hein? Pourquoi quoi? Quoi? Non mais c'est on Alex, va... il a posé une question et tout, enfin faut que tu répondes. Oui. J'arrive pas à trouver des gens qui passent dans la voiture. C'est compliqué d'eau, hein. On va pouvoir bientôt commencer peut-être, hein. Après une heure de live. Toujours à se plaindre. Je viens de regarder sur le Grand Tourisme 7, Lexus japonais Infiniti US. Ouais, donc, ok, d'accord, oui, donc c'est bien ça. Mais c'est que du coup, certainement que la LFA, elle a été commercialisée pour les États-Unis uniquement. Parce qu'en vrai, quand tu cherches Lexus en France, t'as que dalle. Genre, j'ai cherché Lexus LFA, même France, c'est quasiment introuvable. Genre, il y en a une actuellement en vente dans la France. Les PNJ là, vous me cassez un tout petit peu les couilles en fait. Nickel, c'est bon, j'ai fait le radar. Ok. Ah ouais. Ça freine même pas aussi. Y a rien qui va. Y'a rien ça qui va! C'est ça qu'on aime! Ouais, y'a rien qui va! C'est ce que j'avais vu! C'est une balle. Inarrêtable. Voiture acquise, ah. Voyons voir. J'ai même pas vu à quelle vitesse il fallait la passer la zone. Radar ? Ouais, non, la zone de vitesse. Ah non, je l'ai passé à 139. Il faut la passer à combien ? 141, putain. Alex ? Quoi ? As-tu fini tes configs ? Et sinon, sans mourir, ça donne quoi ? Je suis la dernière voiture. Ok. D'accord. Dernière voiture. Amélioration, tac, je vais vite. Pour moi, on devrait passer à vitesse. Comment on va voilà 158 km/h sur la zone de vitesse, voilà. Qu'as-tu dit, Chris? Comment vont vos chats? Ben moi, mes chats ont l'air d'être très bien. Bah écoute, je n'ai pas de chat actuellement. Quoi?
Quoi, miaou? Comment ça pas mal les bzez? Vinstorito, salut à toi, bienvenue, merci pour le follow. Comment tu vas? Eh oui. Ça fait un moment que j'ai pas vu ton pseudo. Que ça. Eh bien, pas sur Forza. Eh, moi, je le vois sur ma feed de Twitch à chaque fois qu'on est jeudi. Et moi, je vois rien. T'es plus. Je vois du noir. Quoi. Ouais, tu sais quoi, tant pis, je vais pas la confier celle-là, abandonner, et je vais prendre l'autre réglage. Alors, okay. Alors, Noé, si tu vois du noir, je te dis juste, c'est bien le championnat États-Unis, mais là, c'est États-Unis 1884. Bon, c'est un terrain glissant. Comme ma bagnole, comme toi. Elle va trop vite. Ils ont et elle glisse. Sur les dommages et elle est chez Lexus. Japonaise n'ont pas voulu se faire chier, je pense. Oui, oui, bah c'est clair. C'est clair. Après, je crois pas que nous on ait d'autres Lexus que la LFA hein, sur Horizon. Je peux me planter, cela dit. Si, on a une IS 200 ou 300, je crois. Ok. Eh oui. Attends, eh ouais, mon gars, ouais. À faire. Ok, AMG à me recouper. Et ok, d'accord, vas-y, je récupérerai l'autre après. Oh. Bonjour, Chris. Comment s'appelle le viewer qui s'était follow chez toi, Chris? Vince Toretto. Bah voilà, merci pour le follow, Vince. Je vais t'appeler Vince parce que j'ai écorché ton pseudo. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup. Donc bienvenue. Je crois que la dernière fois, j'ai vu le pseudo de Vince, c'était sur Forza Horizon 2, je crois. Oh, damn. Je l'ai vu sur Horizon 4. Mais du coup, bienvenue. Moi, je fais actuellement du battage de temps. Il faisait des police voleurs, je crois. Je suis en train de battre le temps de la semaine. Ce qui est ridicule, hein, mais c'est juste en attendant que les autres y terminent. Alors, c'est leur config. Nouveau record sur la zone de drift de la saison. Je me suis battu. Ok. C'est le mec qui pas mal. Et se te bat. Ouais. Il se bat lui-même. T'as, en vrai, j'ai fait quand même un bon run dessus. De rien, c'est gratuit. Et oui, ça, c'est gratuit, les follow. Le prime ouais, aussi, c'est gratuit. Chaud. Mais ça, c'est un détail. Chris, en faisant comme ça, en random du pif, je suis à genre 250 points de ton meilleur score sur la zone de drift. Tu te places bien ici, en ma compagnie. Comment ça? Et en compagnie des boys. Hey boy! Je vais voir, j'ai fait une américaine exprès en drift pour... Aïe, Radi! Radi! Ah, t'es Radi! Ok, ouais, non, je suis Radi. Ton rival? Bah... J'ai bientôt fini là. Bah nickel, bah fini et puis on ouais, parce que c'est ce que je fais depuis avant, j'attends. Franchement, quoi. C'est toujours les mêmes qu'on attend là. C'est bien, c'est chiant. Toyota comment ça Corsis. Comment ça, pas mal les bzez. Comment ça? Je joue à Forza. Ah ouais, là, ils font des temps rivaux là, c'est chiant. Attends, et tout. 2011, on est d'accord que Forza Horizon 2 était déjà sorti. Ça, c'est fait. Non, Forza Horizon 2 est sorti sur la Xbox One en même temps que la 3.6. Et la Xbox One est sortie en 2013. Coup, on va pouvoir. Donc Horizon 2 n'était pas sorti en 2011. Les courses de la semaine, les champions de la semaine. Non, 2011 c'est Horizon 1. Youpi! Est-ce qu'en 2014-2015, tu faisais déjà des. des police voleurs sur FH2 Vince? C'est bon! Allez, lancez maintenant, dès maintenant. Conséquence. Ok, tout le monde est prêt? Oui. Eh bien, nous allons attaquer par le test. Est-ce que vous êtes prêts? J'ai pas révisé. Peut-être. Mais les PFH, oui, une équipe. Donc, c'est le championnat Mustang versus Camaro. S1 9. Level up pour Matsu au niveau 18. Ah. Yeah. Ah, bah d'accord, 18, vous êtes jeune, madame. Ah oui, mais elle est très très jeune, Matsu. Ouais. En fait, Noé, je sais pas si t'es au courant, mais alors faut pas spoil parce que Matsu elle veut pas se faire spoil. Mais je me suis acheté un cosplay. D'accord. Voilà. Ah, le cosplay Master Chief, je le savais, coup, ça de toute façon. Exactement. Ouais, il s'est acheté le Master Cars. Quoi? Il s'est transformé en Major McQueen. Non, parce que tu sais, vu que. Pas ce week-end, parce que ce week-end c'est week-end, voilà. Ah oui, il y a un event, enfin, c'est y a ça. Un truc. Il y a l'art tout play là dans 10 jours, et donc du coup, bah, je me suis dit, vas-y, je vais m'acheter un cosplay. Let's go! Faudra juste que je vois pour pouvoir choper des chaussures qui vont avec, mais sinon.
Je pense que ça a trouvé parce qu'il n'y a plus le message d'attente en haut. Non, non, c'est 50 secondes. C'est pas que ça a trouvé, mais c'est quoi? C'est démarrage de l'épreuve et puis voilà. Ah oui, ça, l'épreuve elle démarre, mais je veux dire, voilà, ça. Voilà. Ouais, c'est dans une quarantaine de zones. Ouais. Après, un jour, je me ferai un cosplay Warframe hein, quand mon imprimante remarchera. Bonjour Noé. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? T'inquiète, Edwin, faut juste que tu sois courageux, t'inquiète. Attends, t'as pris la Ford Focus du coup? Pour Gincana? Enfin, Gincana ouais. Pour. Ouais, pour Negan, ouais. Negan. En fait, c'est simple, Vince, sur. Une philosophie différente. Sur Forza, il y a toujours eu, j'ai toujours eu quasiment la vie de la pseudo de la Hyperfall, j'ai rarement eu genre Rio Zaroth ou quoi ça. Mais la Hyperfall très souvent. Ou Rio Spitfire, c'est vrai que je connais pas du tout ce que ça donne. Très souvent avec la c'est Rio Spitfire, c'était un peu avant ça. On était très souvent ensemble avec la FHX etc. Ah. Ouais, je suis en config drift dessus. Là, j'ai vraiment des configs du zbeul, hein, là. Comme d'hab, Alex, non? Oubliez pas que bah, Unigan S1900 et Supercar Modern S1900, c'est des labos. Donc ça va être très étroit. La labo, surtout l'autre labo, Mixter, machin, tout, j'ai vite fait changer un détail parce que... j'étais un peu con, hein. Ah, c'est très serré, tu penses? Je pense. Pour ça, nos corvettes, elles ont beau aller vite, hein... S'il faut tourner dans tous les sens avec des murs tous les 2 mm. La mienne, elle va relativement vite, mais elle tourne. Beaucoup. Ouais. Yo Mars, ça va et toi? Bah j'attends maintenant, on attend. Hein. Recharge une session. Recharge une session, ouais. Charge du test, normal. Ah enfin. Connexion à la session. Je vais devoir Edwin disparaître. Pop. Nickel. Et ouais, 2014 Forza Horizon 2 vidéo. Voiture et rayure. Est-ce que vu que c'est sorti en 2013 la Xbox Je sais pas ma bagnole. Bah, j'ai pas ma bagnole. Mustang versus Camaro S1900. Oh non. Oh non, j'ai pas préparé. Ah bravo. Eh Noé. Noé. Non. Ça t'apprendra à aller faire des rivaux. Mais j'avais vu Chevrolet, moi! Mais oui, parce qu'il y a championnat route, Chevrolet versus Dodge. Oh putain. T'as pas regardé la description pour le test? Ouais, mais après, il y a Camaro qui est Chevrolet, enfin c'est. Mais attends, je comprends pas. Moi, littéralement, quand j'ai regardé les conditions. Genre. Je t'avoue, Vince, que. Dans les. Forza, j'ai essayé. Peut-être tout mélangé, peut-être alors. En fait, en gros. Quand j'ai vu véhicule adéquat, il y avait MyRed dedans. Et oui, ça fait presque 3 ans que tu follow Vince, et oui. Sauf que j'ai eu 2 ans d'inactivité, ce qui explique beaucoup de choses. Comment ça va? Du coup, en gros, j'ai mal lu. Donc là, on est en train, j'ai... Ouais, d'accord, ouais. Ouais. T'inquiète, j'ai pris ma plus lente des deux. T'inquiète, ma voiture a un départ arrêté. J'ai une voiture de prêt, quoi. Si ça peut te rassurer. Ma voiture a mes 18 secondes de démarrage, t'en fais pas, t'inquiète. Ça peut te rassurer, Noé. Mais je suis choc-barre. Les deux randoms avec nous ont pas préparé de voiture non plus et ils sont plus haut level que nous. Tu vois, tu veux te rassurer, la cheville Camaro de Ryu, bah, elle est 3 fois plus vite que la mienne. Je suis le seul en Mustang, quoi. Oh, parce que la mienne, mais je l'ai config à la Zbeul, je crois, elle met 5 secondes au démarrage, un truc comme ça, genre. J'ai mal compris, ça casse les couilles. Bon, pilotage pur du coup, allez, c'est parti. Ouais, voilà, je vois Edwin, bonsoir, hein. Pardon? C'est ma plus lente des deux en plus. Ah putain! Bah alors, Barricade, on se fait dégager? Ah non, mais. C'est toi que c'est la plus lente de mes deux voitures entre la Camaro et la Mustang. Ah, le Saloudia! Ou de joueurs, ou je sais pas qui c'est, mais très très chiant. Oh non, je me suis fait nickel. Ah, pardon, hop là, dégagé, merci. Les IA qui arrivent pas à dégager. Faut dire qu'ils ont pris la Chevrolet de Hot Wheels. Non. Quand t'as 3 écrans, c'est pratique, vos 3 lives en même temps. Tu m'étonnes. Au taf, j'ai 3 écrans, ici j'en ai que 2 malheureusement. J'aurais bien aimé en avoir un 3ème ici. Pardon. Ah, c'est clair, bordel. C'est pratique.
Du coup, elle est gaze. Purée, oh là là, c'est du championnat. En fait, je me disais pourquoi Chris il a pris cette bagnole là tout à l'heure. Je me disais, c'est bizarre parce qu'il y en a la Y qui est largement meilleure. Et là, bah en fait, il y a pour ça. Bah. Genre, je t'ai vu avec cette Chevrolet avant. Et moi, je me suis dit, bah pourquoi j'ai ma Y qui est déjà prête. Alors, non, la Chevrolet qu'il a pris tout à l'heure, avec laquelle il nous faisait des départs turbo, c'était pas celle-là. Celle avec les départs turbo, c'est la Hot Wheels qu'il a utilisée. Ah. Celle que certains bots possèdent, qui s'appelle la Chevrolet Copo ou un truc comme ça. Désolé d'être un peu lent, Chris, hein. Alors, je sais pas qui m'a poussé, mais c'est vraiment pas nice. Eh, franchement, elle est... je la trouve super bien, ma voiture. Genre, bah, franchement, ouais, t'en sors pas mal, hein. Mmh. Ouais, hey, je tourne premier, bien, hein. Je tourne bien, elle a une bonne accélération, non, je suis content. I am satisfait of moi-même. En vrai, mis à part son démarrage un peu lent, en route, là, une fois qu'elle est lancée, elle est géniale, moi, ma voiture aussi. Tu m'étonnes. Tu vois, c'est là que j'aimerais bien avoir, genre, une sorte d'aventure horizon ou un bail du genre, mais en mode custom. Allez, pareil, on va voir à combien j'ai passé la ligne. T'as passé à combien, toi, Edwin, si t'as vu? Je sais pas, j'ai percuté un mur avant parce que je regardais le chat. Ouais. Ah, 285. Ouais, j'ai passé, j'ai tapé à 269 du coup. Ouais, cool. Oh, je suis content, ça va, c'est bizarre. Oh, faut pas qu'il y ait trop de virages. Attends, ouais, c'est pas ça quand je fais pas des choses pétées. Alors attends, c'est quoi que t'appelles les choses pétées et les réglages clean, Vince? Réglage clean, une voiture qui tourne et qui va vite. Pas, et les réglages pétés, c'est une voiture qui fait l'un ou l'autre. N'est-ce pas, de quoi tu parles. Non, mais depuis que tu m'as donné les barres anti-roulis, moi maintenant je vais vite et je tourne, je suis une menace. Par contre, il va comment rentrer ça, chez lui comme roulis. Comment ça, les barres anti-roulis? Hey. Bah, en fait, depuis qu'il m'a donné. Est-ce que t'aurais pas passé une donnée que je t'ai passée de base? Non, c'est quand même une autre donnée. D'accord. Putain, je vais devoir encore regarder pour des paramètres. Hein. Ça dépend, après t'as les barres anti-roulis, tu les mets comment toi, Alex? Bah, je sais pas, je t'avais dit pour la la Jaguar, j'avais donné plein d'infos. Ouais, mais au final, sur les réglages que j'ai sur la Jaguar, il y a beaucoup de trucs qui ont changé. Même ça, c'est mais bon, je me souviens plus, tu sais, je suis quelqu'un qui prend des trucs et sans me soucier de si je retiens ou pas. Moi, le truc, c'est que littéralement, du coup. Après, je sais pas, je crois, barre anti-roulis, c'est quoi, c'est souple ou rigide, c'est ça? Je sais plus. Ouais, c'est rigide, ça. Macron. Genre, tu vois, bah, du coup, là, avant, je crois qu'elle est plus vers le souple et l'arrière plus dans le rigide. Moi, du coup, c'est-à-dire que moi, je suis con à modifier les vitesses, les barres des pneus. Et non, mais ça, c'est bien, aussi. Non, mais ça aussi, c'est bien. Alors que les autres, ils paramètrent tous les aspects du véhicule. Oui, exactement. Allez, pousse-toi, pardon, hop là, pardon, désolé, hop. Oh, bah, oh Chris, je t'ai vu, tu hein. Tu verras, Edwin, tu verras tout à l'heure. Par contre, c'est marrant, il pleut comme par chez moi, du coup, je vais refaire le spin comme j'ai fait hier, c'est ça? Bon, barricade, tu reviens ici? La pluie. Si, Noé, toi, tu l'as vu, tu l'as vu mon spin hier, mais les gars l'ont pas vu mon spin. Oui. T'as voulu faire le con, t'as le jeu de drame. Oh putain. Il a deviné tout de suite. Bah, t'inquiète, je retiens bien les conneries que tu dis que tu vas faire et que je sais que tu vas le faire, donc Oui, en revenant du sabre laser, il y avait le rond-point, tu sais, qui est en haut de ma rue là, qui donne vers Carrefour. Ouais. Et bah, j'étais tout seul sur la route. Tu sais, il y a un petit peu de pavé, mais recouvert un peu d'asphalte parce que ça fait longtemps qu'il est là. Il pleuvait, je suis arrivé, j'ai appuyé sur le bouton pour désactiver mon ESP, j'ai tiré le frein à main, j'ai tourné le volant. Prenez par exemple sur ce système. Le problème c'est quand t'as une propulsion ça passe, quand t'as une traction ça passe pas. Du coup je me suis retrouvé ouais un peu trop voilà. La brutalité de ma voiture. J'y passe parce que là ma voiture avec de la pluie c'est de la merde. Oh merci. C'est pas nice. Mais les bottes!
Il y a oui, des mais virages grâce à toi, tu m'as permis de dépasser des IA que j'arrivais pas à cause de la pluie. Mais du coup, maintenant, faut que je te dépasse. Putain, mais elle dérape trop. Ah ouais, mais là, je suis tellement instable, fais gaffe. Hein. Ah, c'est bon, ça y est. Je crois que j'ai fait un hey, de bon bah, en mode genre, j'ai pas adieu, hein. Rien, donc, je me fais doublement escroquer. Un petit peu, ouais. Ouais, d'accord, bah, préparez-vous à faire défoncer les prochaines courses. Prochain tournoi là. Ah bah on va bien voir. Hein. Putain, je suis fier de pouvoir franchement carburer comme ça là. C'est laquelle que t'as bah, je remarque que course sur pluie, ma voiture est ultra instable. C'est la Mustang de 2018. Ouais, ouais. Alors après, quand je disais Vince, t'as certains réglages. Si tu veux être genre en mode chill ou ok, tu vois, tu fais un réglage clean, no swap ni rien. Tu peux faire ça, des pépites de fou. Mais il y a certaines voitures. Si tu veux l'optimisation à tout va pour tout ce qui est vitesse et tout ça, enfin vitesse et tenue et tout, t'es obligé de parfois swapper le moteur. Ouais. Et après, tu fais pas vraiment escroquer, je veux dire, genre S1900, t'as rien à te reprocher. Hein. Il y a carrément un mec dans l'équipe qui n'a pas fini la course. Ouais, mais bon, c'est énervant. De on a gagné, c'est bon, ouais, on a gagné. De me dire, Alex, en fait, il a préparé une bagnole, mais en fait, c'est pas bon, alors qu'elle était indiquée comme était bonne. Donc, c'est ça qui est énervant. Oui, le non, mais alors. Il dit c'est bon, alors, et alors, après, il dit non. Alors, le truc, c'est que là, c'était les trucs du test. T'avais regardé coup, la bonne caté. C'est ce que j'ai dit, ils étaient dedans. Donc, t'étais en Bank versus Camaro, S1900. Au pire, on regarde vite fait, là. On regarde. Ah non, mais quoi, on peut plus regarder, si, on peut. Là, on peut regarder. Enfin, non, tu peux plus voir la catégorie maintenant. Bah, je peux plus. Non, une fois qu'ils sont endorés, c'est finito. Mais là, en gros, c'était. Si tu peux, enfin, tu peux voir la catégorie en tout cas, restriction de voiture. Mustang versus Camaro S1900. Et ouais, non, j'ai appuyé voiture adéquate. Mais à pas confondre avec le championnat qui est au bout qui s'appelle Chevrolet versus Dodge. Ou voiture de film emblématique. Le supercar, ça c'est bon. Onigan, ça c'est bon. Ah, mais par contre, les trucs de con, c'est bon. Saisonnier, c'est bon. Alors là, je vais drifter à mort, moi. Ok, c'est bon, du coup, voilà. Ouais, c'est sur la prochaine que je vais drifter à mort. Comment vous ça êtes... Vous êtes tous de retour ou pas oui. Ouais, moi je suis là, c'est bon, moi. Ok, donc je vais pouvoir nous lancer le labo numéro 1, les Hoonigan S1900. Hoonigan, 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 Hoonigan. Revenu, parce que je peux pas encore Hoonigan, 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 gang. Qui c'est qui est encore en chargement de... Je crois que c'est Noé. Non, moi je suis là. Non, c'est Chris, c'est sa voiture, j'ai fait poète devant lui. Ouais, ouais. J'ai entendu magnifique le petit clown qui est passé. Le labo, avoue-le, je suis un petit clown. Hein. Le labo numéro 1, on peut pas le faire en coop? Quoi? What? C'est marqué que c'est indisponible en convoi. Bah, lance l'autre alors. Bah ouais. C'est-à-dire qu'on va devoir lancer en même temps comme le Limitator. Non, mais ça, on fera ça plus tard. Hein. Labo, on fait. Non, bah ça, on zappe, hein. C'est pas. Putain, mais par contre, il est où l'autre labo? Labo! Eh oh! Choc-bar! Ah, eh oh! Le lapin! Ouais! Pourquoi tu vas pas dans la sélection du festival? Tu vas sur mais parce que je me suis dit que j'allais le trouver plus vite sans quitter le menu, mais en fait, je vais me faire enculer. Oui, mais littéralement. Voulez-vous vous rendre sur l'île du labo d'épreuve? Est-ce que c'est un DLC? Normalement, non. Moi j'espère pas parce que sinon c'est un peu de la merde. Le labo d'épreuve en gros si tu préfères c'est une grosse plaque. Oh. Et donc là du coup ça va être avec les supercars modernes S1900. Bon là Lexus LFA c'est ça. Voilà. Ouais. Vous avez terminé 5 défis objets à détruire saisonniers. What? Pourquoi ça me le débloque que maintenant? Voulez-vous vous rendre sur le lit du labo d'épreuve? Bah non. Membre du convoi ailleurs, vous êtes un autre en clair droit que les membres de convoi. Oh merde, j'aurais dû accepter alors, mais je suis comment pour le rejoindre lui. Attends, accéder au championnat. Oui. Coop, convoi uniquement. Putain, c'est tout plat par ici. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Eh, hey, n'empêche, j'ai quand même utilisé la 4G de mon portable pour télécharger la mise à jour vite. Hein. J'ai téléchargé hier un truc comme ça, je crois, mais 14 Go, je crois. Ah, il y avait une mise à jour à télécharger? Bah ouais, oui, oui, j'ai eu 14 gigas à faire hier sur Forza. D'accord, moi j'ai rien téléchargé. J'ai rien eu. Ah ouais, stylé le plat. Noé a quitté le combo. Mais moi je suis sur l'île. Et ah, tu as quitté mais le combo. T'as rejoint l'île normale. Bah il écrit le leader a rejoint l'île.
Putain, ah, du coup, nous, ça nous a lancé. Ah, t'as rien, il y a rien. On rejoint le convoi. Ah, bah, d'accord. Bah, du coup, le jeu, moi, il est écrit littéralement. Le leader est sur l'autre île. Et moi, je suis ok, je vais rejoindre. Du coup, on quitte l'épreuve ? Ah, oui, on va quitter l'épreuve. Hein. Et rien ne se passe bien avec Noé. Ouais, mais c'est toujours. J'avais tout préparé. Et là, je me fais chier à la gueule, là. Hey, ma corvette avec mes disques de frein rose, elle était géniale. Du coup, je reviens comment aller au mix. Mais. Ne bouge pas, t'inquiète. Non, mais j'ai bougé du coup. Mais tu pouvais rester sur l'île d'épreuve en fait. Mais merde. Après, tu peux rejoindre l'île d'épreuve en ayant accès à l'interface de création. Normalement. Pour inviter par contre. Pourquoi ma voiture elle est transparente, wesh? Non, moi je vois les voitures normales. Non, mais moi, ma voiture, c'est dans le menu de chargement, elle est devenue transparente, d'accord. C'est une voiture fantôme que j'ai, d'accord. L'Ouest, très sauvage, attention. Putain, ah, ça y est, elle est revenue normale. Vos bagnoles qui sont en travers de la route, les mecs. Les gars, ils veulent tellement pas partir, les voitures jaunes. Tu vois tes voitures en travers de la route? Moi, je vois encore le podium où on nous voit tous avec nos voitures présentées. Hein, c'est... Ah là là. Ah, ça y est. La connexion. Non, disque dur. Non. Ça va, Edwin? Ouais. Vous avez quitté, non? Bah, en fait, on attend que ça. Voilà. On attend d'être dans la course pour dire non, on se casse, en fait. Ah. Ils sont contents, hein. Deux mongols qui font le con. Censurer sa mesure trop moche. Je te jure, c'est ça, en fait. Tu t'es fait censurer ta bagnole, Alex. Bon, allez, je refais le convoi. Comment ça, ma voiture trop moche, là, allez vous faire mettre? Ami unicomante. Non mais c'est un rageux, t'inquiète. Allez, c'est quand tu veux le menu. What? Confirmé. Juste confirmé en fait, s'il vous plaît. Sur l'île d'épreuve, n'empêche, mais à quoi ça sert d'avoir fait ça? Ça sert à rien. Lui dire notre convoi est sur l'île de la bonne épreuve. Allez, bah viens. Ah, par contre, moi je suis plus en convoi. Oui, vous revenez sous l'île de la bonne épreuve. Ok. Putain, en fait, c'est un gros carré le machin. Event la Bayland. Ok. J'ai eu deux distinctions par contre. Le live a bien le message comme quoi. C'est pas de la merde. Convoi ? Or, notre convoi. C'est quoi ce chat ? C'est la raison pour la. Et là, je suis. Saison. Encore là, c'est bon. Ok, d'accord. Après, moi maintenant, je suis plus dans les peintures. Je suis plus dans les peintures. J'ai plus de 2 millions de téléchargements sur FH4 et sur FH5, 230 000 déjà. Je comprends. Bah, t'as bien raison. Moi, je t'avoue qu'après avoir tryhard, que ce soit les photos, top 10 mondial sur un jeu, enfin, top 10 français sur un jeu, voilà. Non, ouais, vu que j'avais tryhard, on va dire toutes les étoiles. Vous pouvez pas me test, voilà. Horizon 4, je vais pas. Voilà. Après Horizon 5, par contre, je suis pas dans le convoi, hein. toujours pas, j'ai pas d'invite. Bah, j'ai envoyé une invite, Chris en a envoyé une aussi. Sur Xbox, j'ai rien eu. Enfin, sur. Essaye de rejoindre de par toi-même. Je veux. Rejoindre. Kira. Le croisement des mongols. Je te jure. Je suis mongol. Oh. Wow. Il n'a aucun sens. J'arrive, bâtard. Y'a Alex, c'est bon. Bonjour Alex. Wow. Bon allez, à plus le mec, à plus Vince en tout cas, merci d'être passé, c'est un plaisir. Bah ouais, à plus du coup. Putain, mais en fait on se casse la tête, mais c'est ici qu'il faut faire l'éliminator. J'avoue. Edwin. Ah bah livrée, elle est persuasée et tout, attends.
Oh. Et t'as deux gros cons qui sont en train encore de foncer comme des cons. Qu'on voit uniquement. Voilà. Il y a un gars qui s'appelle Scrooge. Bonjour. Je s'appelle Scrooge. Je tiens à dire qu'Alex a la même livrée que la mienne sur la FA. Bah oui, à mon avis, c'est un truc. J'ai la même. Bah, souvent, en fait, cette LFA, elle était de base plus puissante qu'une autre que j'ai. Donc, en fait, celle-là, ça devait être un truc. Mais pourquoi on n'a pas. Été donné. Alors, attends. Là, c'est quoi? C'est le Hunigan? Là, c'est le supercar moderne USA SA 900. Non, le Hunigan, on peut pas le faire en convoi. On peut pas le faire en convoi. C'est celui-là, c'est le Hunigan qu'on peut pas. Ouais, à mon avis, le Hunigan, ils l'ont fait en hommage à Ken Block. Hein. Genre, ça doit être un Gymkhana à faire. Peut-être pour ça qu'on n'est pas en mesure de le faire en coop. Ah, c'est vrai que c'est l'anniversaire bientôt. C'est discriminatoire parce que Ken Block il aimait bien tout ce qui est collectif et tout ça, discrimination. Oui, mais le problème c'est que si t'as des trucs qui sont de la taille de ton trou du cul dans lequel il faut passer avec un camion, tu te rends bien compte que ça va être compliqué. Comment Michel ça, Comment ça avec un camion? T'as pas vu le camion Hunigan? Ah non. Alors par contre, premier degré, il y a vraiment le Unitruck. C'est un pick-up Hunigan. Ouais, il a fait un 900. Non, mais c'est pas un camion, c'est un pick-up. Ouais, mais il s'appelle le Unitruck. C'est ce que tu vois dans une des images de coup de pub saisonnier. Ouais. The Wild Wild West Street. Je me sens tout seul avec ma voiture, bizarre. Ça va, Alex? Bonjour. En chantier, on s'appelle tous. Quoi? Attends, c'est un bot là, le 35? Tu sais, aux voitures, elles ont toutes look agressive à l'avant et tout, et moi, je suis en mode LFA. J'aime bien, il y a des 1-1-1. Oh putain. 35. Moi je me rappelle de mon skin sur la Rotion Q1. En fait j'étais persuadé que c'était une voiture électrique avec son nom. Et en fait j'avais fait un skin Razer. Et ensuite je l'ai pris et c'était en mode ah il y a un moteur. Ah en plus elle est lente. D'accord, bah je suis deg. Attends, faut passer par où là? Oh bah écoute. Bonjour. Je comprends rien. Oh là. Mais je suis désolé par contre c'est assez tôt Corsa ici. C'est pas What the fuck. C'est asphalte. C'est asphalte en fait. Faut freiner. Mais je freine. Ah, je viens de me faire pousser par Chris. Voilà, chez Chris, karma. Ouais, bah c'est moi qui me suis fait karma alors que j'ai rien fait. Hein. Oh le boost. Wouah, du boost on wheels. What the fuck. Par contre, il y a tellement de props sur la carte, moi je lag de ouf. Hein. Oh, para, je prends le mur là. Et oui, tu j'en ai marre de toute façon, j'en ai marre, je vous déteste. Ah. T'aimes aussi Alex. On est marre. Wouah. Noé il se plaint en mode oui la irée mais ta gueule en fait. Dans bah oui mais c'est la mienne de base enculé. Oh. C'est ma bagnole de base enculé. C'est genre le mec qui s'est approprié la voiture alors qu'on l'a tous reçu en jouant à Forza Motorsport. Oui mais c'est moi qui suis en premier. Noé, ouais, j'ai couché avec une meuf avant toi, tu n'as plus le droit de coucher avec des meufs. Alors je vais prendre les chèvres. Je suis pas sûr vu que t'as couché avec M-Ward, bref. Ah le bâtard. La première fois que j'ai couché avec une meuf, t'avais 16 ans. Et encore, même pas encore, t'avais 15 ans parce que t'avais pas encore eu ton anime. Alors que la première fois que t'as couché avec une meuf, j'avais 43 ans. Comment ça? Bah ça sera dans 15 ans. J'ai déjà couché avec des gens Edwin. Hein. Montre Alex ta voiture bombarde. Ah t'as dit avec des gens. Ah bombarde rien ma voiture, t'es t'as devant, dit avec des gens. Alors que moi je parlais avec des meufs. Bah je nique pas avec. Edwin je nique pas les animaux voyons comme toi. Mais non, des gens. Si tu dis que c'est pas des meufs mais que c'est des gens, c'est quoi? C'est des mecs. Voilà. Gay. Des gens c'est pas spécifié. Mais qui cherche la merde pour rien quoi. J'avoue. Par contre, tu me colles bien. Ça, plus c'est bien. Dit, ça fait quoi passer par là? Non, mais en fait, je viens de me bouffer un mur. Voilà, tu m'as. Tu rends pas de saut, moi c'est mieux. C'est le karma par rapport à la chèvre. Quoi? Par contre, vraiment, il y a. Oh, elle est bien design en vrai. Elle est bien design. Ouais, elle est pas trop dégueulasse. Attends, je vais rattraper le dernier là ou je rêve? OMG. Et je passe par l'extérieur et je dépasse. Let's go. Débrouillerai. Oh non. Oh
le con. Oh le con. Ouais, j'abandonne, je n'ai pas envie d'accélérer, je laisse le boost me finir. C'est pas ça, c'est qu'en fait... Non, mais je dirais pas qu'à cause de quelqu'un, ma course était merdique, mais bon... T'as fait quoi? Vous voyez le boost Hot Wheels, là, qui était juste sur la ligne d'arrivée? Enfin, oui. Avant la ligne d'arrivée. Oui. Sachez que si votre voiture, elle est en marche arrière, il ne s'active pas. Mais non, mais je crois en fait dans ma tête j'avais oublié que c'était cet endroit là, enfin que c'était pas cet endroit de la ligne d'arrivée mais qu'elle était plus loin. Et du coup, arrivé au boost, je me suis dit vas-y, je vais taper le 3-6. J'ai tapé le 3-6, je suis passé en marche arrière. Et là, j'ai vu que ça s'activait pas. Je me dis ça va, je suis juste à côté de la ligne. Et là, je me retourne et je vois, ah non, elle est à 400 mètres. Ah merde, et ça arrive vite sur ma map. Et là, je vois Chris et Alex arriver en. C'est exactement ça. Bon, allez, allez au Mexique. Hop, voulez-vous aller au Mexique? Oui, je vais. Du coup, on sera qui que. Non. J'espère pas, sinon c'est chiant. Ça compte si tu as fait avec ou sans capote? De toute façon, dans tous les cas, il n'y a pas eu beaucoup d'écart avec les deux. Donc, De toute façon, je suis une capote avant vous, vous avez pas dû en utiliser, quoi. Je tiens à dire qu'Edwin, ma première expérience sexuelle, c'était à 14 ans. Voilà. Bah, j'espère que t'as porté plainte depuis. Non, parce que on était mineurs. Mais justement, tu te rappelles de quelle église c'était ou... Oh wow. Attends. Moi, le sens que j'en sais, c'est quoi? C'est que on était mineurs. Alors, oui, les deux. Oui. Alex, t'as lâché une bombe. Au secours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quoi. Oh, putain. La profanation, s'il te plaît, quoi. Il n'y a pas de E-word, désolé. Hein. De quoi, il n'y a pas Formulio? Quoi? Et quoi? Ah, je savais pas que c'était un prêtre. Quoi? Baptisé comme jamais. Hein. Bon, bah, du coup, on va lancer un autre championnat hein, si vous êtes tous là. C'est un prêtre dans Minecraft, il faut que tu ailles le voir pour avoir des expériences. Ah. Ah. Tu feras gaffe parce que je crois que le prêtre il te donne des verrues du Nether. Alors, ça, c'est bon, pas allez. Un prêtre, c'est un lèpre. Oh putain de. Championnat Chevrolet versus Dodge S900. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Par contre, je vous le dis tout de suite, je crois que j'ai peur. Bah moi je suis bien. Oh, je suis bien. Ah, je suis bien. Esquive ça. Bienvenue dans Esquive ça, la nouvelle émission qui fracasse. Esquive ça. Donc là, j'ai droit à ma IRE, oui. C'est vrai qu'elle est pas dans cette classe-là, putain. Hop là. Ah, je suis un peu deg. Tu voulais ta Dodge de merde, Edwin? La fameuse. C'est quoi le championnat, là? Je sais plus. Ça va, Michel? Qu'est-ce que vous avez pris avant de venir, Michel? Bon, écoute, alors, je vais prendre celle-là. Parce alors, que... alors ouais, je voulais prendre la Corvette C1 et je me suis dit, bon, par contre, je sais ce qu'il a pris, Chris. Je le sais. Ouais. Dis-moi, ce serait pas une Dodge par hasard? Alors, non, c'est une Ford. D'accord. Oui. Non, parce que ça pourrait être une Dodge. Oh putain, s'il a une Ford T100, non? Non, ça va. Hein? Ça va, y'a rien de choquant. Ok. Y a deux Chevrolet. Il y a deux Dodge. Non. J'ai une Camaro, connard. Bah c'est du Chevrolet. Alex, t'as pris The Viper? Ah oui. Bah je me suis dit, attends, j'ai configuré une autre voiture, mais celle-là en fait, elle fait partie des voitures. Attends, bah non, je me suis dit, bon, Edwin en Chevrolet, c'est ça? Après j'ai envie de dire qu'il y avait la Dodge Dart Emmy en S1900, hein. C'est pour ça, Chris. Ah, les Viper. Le pire c'est qu'elle tourne à Vienne en plus. Donc, la Viper folle va prendre la Viper, oui. Après vous allez me niquer, hein, de toute façon, c'est... C'est la voiture avec laquelle faut faire la photo en course de rue. Oh putain! Wow. Oh là là, l'IA qui me balance. T'as des passements extérieurs là? Ça va Edwin, le forçage un peu trop brutal? Alors, pour moi, j'étais pas du tout. L'escalier! J'ai pris l'escalier. C'est cool ça!
Enfin, quand t'es pas en manuel et que tu veux rétrograder, c'est une peine. Par contre, pourquoi toutes les pistes elles sont mouillées? Ça, c'est l'effet que tu fais en passant devant les femmes avec ta voiture. Stylé. Ah, adieu mon aileron. Ah, bah j'ai chopé ton aileron. T'as fait une Ricardo Ouais. Noé, du coup, t'es avec ta IRE là? Oui, je suis avec ma IRE, ouais. Putain, mais t'es lent. Mais j'ai pris un escalier! Bah oui, bah fallait pas monter, fallait descendre. Bah non, on m'a poussé. C'est la ligne d'arrivée, putain. C'est horrible. À la base, j'avais peur, j'avais juste réglé comme ça en mode déconnage, je pensais vraiment pas la prendre. Bah voilà. Et je pensais pas que moi, ma Camaro allait être aussi bien. La piste mouillée. C'est quelle part où on est? Été, c'est ça, un truc comme ça? Ouais, été. C'est un été humide. Ouais. C'est un été humide. C'est un été taille. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai, c'est marqué que c'est un été humide, c'est-à-dire qu'en oui, gros, mais c'est comme... Oui, non, mais la logique. Si tu... Un été humide, si tu veux, c'est quand tu vas à Ibiza et que tu baises. Quoi? Quoi? La logique de Messi, un été humide. C'est humide cet été. Mexique. Été humide. Été humide. Bah ouais, j'ai l'été humide, humide, je comprendrais, oui. Oh circuit non, là, c'est, là c'est bon, le circuit là, en fait, je fais rien dessus. J'ai les pneus slick et du coup, bah la pluie me dit non. Moi aussi j'ai les pneus slick, je te rassure. Ah, j'ai, mais... la gomme tout, j'ai la gomme tout terrain, moi, sur de la roue. Allez. Je me dis, Alex, que là tu vas normalement prendre un peu plus de points. Tu peux juste m'aider à démarrer, s'il te plaît. Ok. Voilà. Merci. Putain, mais. Sur des bottes, s'il vous plaît. Non, vous allez me massacrer, hein. Eh oui, du coup, les bottes sont en imbattable aussi. Oh putain, c'est imbattable, la course. Imbattable, je les ai rattrapés en 2 secondes. Oui, les connards. Ah ouais. On s'en souvient des connards de la semaine dernière. Ah bah ouais, t'inquiète hein. C'est pas celle-là hein. C'est... Au fait, c'était pas... Vas-y. Ah si, quoique, je sais pas, peut-être. Si. Parce qu'en fait, il y a certaines rues, elles me semblaient, mais... Non mais si, je confirme que c'est bien celle-là. Et Noé, c'était pas ce soir que t'avais un truc Hearthstone à faire, ou je sais pas quoi? C'est... Bah pas ce soir, finalement. D'accord. Finalement, je sais pas à quand c'est. Un peu, je sais, un peu sad. Ok. Les gars, attendez-moi. Est-ce que tu ne sais pas, est-ce que tu ne sais pas quand c'est à cause de ce qu'on a parlé hier soir ou... Non, je sais pas. Il y a aucun rapport, d'accord. C'est aucun rapport, oui. Ok. Trop large sur l'XT, du coup t'as repris de l'avance. C'est moi, je me bug la propu. Oh putain. Ah, tu m'étonnes. Chris, il a tous les IA au cul, nous on est en train de se balader. On fait un petit train-train. Ah, le pire, c'est que moi en plus, j'ai un propu, les gars. C'est pour ça, nous on est en 4 roues, je pense, tous là. Comment bien, ouais. Ce n'est pas nice, ça. Ouais, mais je l'ai fait dans les règles de l'art, alors que. Oh le bâtard! Voilà, ça t'apprendra. Mais je l'ai fait dans les règles de l'art! Non! Il y avait aucune règle de l'art à faire ça! Et t'as cru que je m'appelais Charles Leclerc à me balancer dans un mur ou ça marche comment? Je connais ça, c'est une stratégie de Ferrari ça! Voilà! Aïe! Aïe! Il y en a aucun qui s'arrête pour voir arriver en drift.
Ah maintenant c'est fini, on me pousse, je repousse. Non mais là Noé il est trigger. Dépêche, pour nous c'était une course passionnante. Allez, et là alors, d'un coup tu vas avoir une émote de bot qui va arriver là. Niaou, niaou, niaou. Non, non, mais j'aime bien les gars, Twitch World for the Watcher, on peut le regarder jouer là avec ça. Voilà. Le bon véhicule alpha. Meurs alpha. I want it that way. Oh oui, ça qui crédit alpha là. Alpha. Alors, du coup, bah, il nous reste un championnat à faire. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chaud? Non, ça va être le championnat en classe C avec les voitures de foot emblématiques. J'espère que vous êtes prêts. Maman, j'ai peur. Maintenant, on va pleurer. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que Edwin a triché. Ah, le mec. Écoute, c'est pas parce que j'ai pris une voiture qui était en classe S2 et que je l'ai descendue en classe C que j'ai triché. Mais c'est pas une voiture. Mais c'est même pas une voiture de culte de film américaine. Si. Je suis désolé, mais la Bugatti Chiron en classe C, c'est emblématique. Comment tu peux la mettre en classe C? Je l'ai cassée. La classe C. Non, tout ça c'est une déconnade. Cela fait partie d'une grosse plaisanterie. Ouais, juste que Noé, il est juste jaloux de moi. Non, mais de toute façon, une Bugatti en championnat US. Vous allez voir, de toute façon. Après, moi j'avais un véhicule qui avait 10 centaines par arrêté, 10 centaines d'accélération, etc. Mais elle est en B. C'est dommage, hein? Ah, c'est con ça! Pas loin! Une classe en trop! T'sais, je m'étais dit en plus, ça peut passer! J'essaie de modifier des trucs, non, GTA, je suis triste. Tu sais ce que t'aimes bien conduire dans GTA comme type de voiture, Alex? Me dis pas que t'as pris la Ford. Tu as un hot rod. Mec, il a un hot rod. En vrai, c'est sympa, vraiment. En vrai, c'est sympa. J'aime bien. Ah, j'étais content. J'ai retiré tout ce que je pouvais dessus. Hein. Vraiment. Ah, parce qu'elle est si haute que ça. Enfin, si haute. Elle est en C2. Elle est en C2, putain. Non, elle était pas. Non, c'est une blague. Elle était en classe D de base. Ah, bah oui. Vous avez tous une voiture 69, moi je débarque 32. Qui dit mieux? La ville est flammée tout le semi, non. Même idée, Alex, hein. Pardon? Ah, mais regardez-moi ça. Oh là là. En plus, il me l'envoie, quoi. Par contre, je crois que je tourne difficilement là. Ah! Oh merci! Merci! Par contre, attends. C'est bon, ça contrôle. Bah, merci Chris, tu m'as aidé. Au revoir, Noé. Par contre, les IA. Crash sur la mur, Edwin! Merci Chris! Ça va être une blague. Rattrapons les autres! C'est bien, je reprends de première à 110. Ah ouais, d'accord. Alors, le seul problème que j'ai sur cette voiture, c'est que j'ai que le premier niveau des freins, je pouvais pas mettre plus haut. Parce que malgré tout, j'ai quand même un moteur de 6 ou 7 litres sous le capot là. J'ai 500 chevaux là quand même. Oh! Salope d'IA! Putain. Putain, j'avoue que c'était pas loin. Non mais. Sinon, les IA toujours au bon endroit, vous me saoulez là en fait! Oh putain de. T'étais payé celui-là que je me suis payé. Ouais. Par contre, dans les virages dans la ville, vraiment, mais c'est. Personne n'aime les courses dans la ville, arrêtez. C'était bien sur Horizon. C'est ceux qui tournent comme des briques qui disent ça, Edwin. Merci! Alors là, Billy Boy, désolé, mais là, t'as une petite ligne droite là. Laisse-toi rattraper. Vas-y, laisse-toi rattraper là. Je te fonce dans le cul de toute manière. Ou je te dépasse en règle, voilà. En règle, d'accord. Après, toi, t'as fait un peu comme moi, mais tu te l'es pris un peu plus violent. Oui. Non, mais. Ah putain, mais j'ai des obstacles. Ah putain, oula, on t'a pas genre dégagé à moitié aussi? Non, c'est juste moi qui n'arrivais pas d'accord à tourner du tout. Parce que je crois, en regardant derrière, j'ai cru qu'il t'avait poussé en mode dégage. Non, mais il se peut que j'ai très mal réglé mes barres anti-roulis. En fait, la voiture, je l'ai pas testée. Ah.
J'avoue, moi j'ai pas testé la hauteur, pas eu le temps, moi j'ai tout fait speed. J'ai tellement plus d'accélération aussi. What? J'ai 500 chevaux pour 1 tonne 1. Ah, tu m'étonnes, c'est rien. En tout cas, le poids. Ah, au revoir. Je suis tombé sur la route d'en dessous. Ça va, ah, Gris? Ah, ouais, je reconnais, ça c'est ma bite, quoi. Ah bah, je l'ai écrasé. Oh merde. J'ai la larmiche là. Alors là, si t'arrives à me rattraper, Chris, franchement, je suis une pute. Ah non, je me faisais quoi là? T'es une pute. Je me faisais quoi là? On est en ligne droite dans une côte. Je me suis fait un tonneau. À quel moment? Mais comment ça? Mais comment ça? Mais comment ça? Connaissez-vous le mystère du tonneau en ligne droite? Et ben voilà. Mais en plus en montée le machin. À quel moment? Il a fait... Non, en fait, il est parti, il a fait un wheeling, quoi, en fait, entre eux. Oh, putain de merde. Franchement, est-ce que tu peux faire un clip, s'il te plaît, de la gamelle de Ed voilà. sur le chat de qui tu veux, tu fais le clip. Sachant que chez moi, ça rapporte des... Quoi? Il me faudrait un clip, clipé, en gros, de mon côté clip, et la point de vue aussi de Ed. Deux côtés, il faut le clip. Parce que franchement, de mon côté, c'est magnifique où tu vois la force de brancher le poteau se lever. Oh non, mais là, non, mais c'est bon, il regardait la. Non, mais alors le début, ça va être la mort, mais alors la fin. Edwin, il va être content là. Ah, nickel, je viens de déverrouiller le duel nocturne numéro 3. Attends, quoi? Ah, j'ai pas tous les deux. Coucou Noé, hein. Au revoir. Ouais, tu t'es téléporté pour moi en me dépassant. Incroyable. Attends, mais poussez-vous les Mustangs là. Ouh, voiture! Putain, il y a de merde, dégage! Basurero. Por que pones la basura? Bonjour Noé! Bonjour. Bon, l'IA, il fait quoi là? Non mais enculé! Comment ça, enculé? Bah, copain, moi gigot. Bah, écoute, des bisous, vision. T'es pas touché, hein, Edwin, hein? Ah, tu m'as complètement dégagé sur mon écran. Non, moi j'ai rien ressenti. Bonjour. Du coup, des bisous visio, à la prochaine, merci d'être passé. Je suis en train de drifter depuis tout à l'heure quand même. Je te jure. Moi, je peux pas drifter, c'est juste ma voiture qui accélère de côté, c'est tout. Ah, attends. Oh, je t'ai vu te bouffer l'escalier, Chris. Ah, Edwin m'a poussé. Ah, je t'ai pas touché sur mon écran. Je peux pas enregistrer, ce sens. Voilà, même problème. Alors par contre, Chris, tu m'as complètement dégagé dans le... voilà. Après, je pense que j'ai aussi fait de la merde le fait que ma boîte soit une boîte de drift 4 vitesses. Oui, peut-être. Ça doit pas aider à la voiture à être stable. Ouais. Ah, ça a été diga, là, dégage. Putain, mais je tourne tellement pas. Après, non, je crois vraiment que c'est mes barres anti-roulis, j'ai dû inverser les réglages. Bon, et puis merde, marre de pas tourner, je passe en première. La tondeuse. Ah ouais. Je suis bien rétrogradé en première pour le dernier fin. T'es pas en éclipse là. Waouh. Non, il est avec la Mugen. Oh non. Ça va, Chris? Le bruit de la chèvre était beau. Ah, GG le clip. Oh, elle regarde derrière toi. Je vois derrière moi qu'il y a un mec qui essaie de tourner. J'ai des copains au cul. Tu emmènes des gens à la fête, c'est ça? Ah, par contre, elle sortit comme une chenille, ma voiture, hein. C'est n'importe quoi. Ok, pour tourner, faut pas que j'accélère. Alors, ça semble élémentaire quand même, hein, quand t'as ton permis, Chris, de se dire pour tourner, faut pas accélérer. T'as plus de vitesse de pointe ou quoi?
Non, attention, une ligne droite en montée, je vais peut-être me retourner. Ah, ah et... oh, oh, j'avais tendu, Alex, j'avais tendu. On va voir dans la pente, on va voir dans la pente à combien je suis. Mais t'as plus de vitesse que moi, comment ça se fait? Alors non, la ligne d'arrivée, je la passe à 240. On fique du zboub. Mais comment ça se fait? 241. Non mais oui, non mais j'ai fait le 241. En fait, t'as perdu les performances moteur en fait toi. Je sais pas. En fait, Ed, on avait je sais pas ce que je fais avec mon moteur. C'est une meilleure accélération que moi. Oh ouais. Non, je suis dégoûté. Après, je suis plus léger aussi. Non. Moi, j'ai plus lourd. Je crois que c'est ma boîte de vitesse. Avec tes blagues. Bah, en vrai, je suis en boîte de vitesse aussi. Je crois qu'il y a un problème. Eh, je suis en 4 vitesses, y'a quoi? Mais toi, je suis normal, enculé, les années 30. Y'a quoi? Bah, tu driftes. Oui. Mais non, mais par contre, va vraiment falloir que je règle un truc parce que c'est pas normal que j'ai pas tourné. Juste avant de continuer, je vais juste aller pisser vite fait. De toute façon, là, on a fait les championnats, vas-y. Donc il nous reste plus grand chose. Je vais juste voir une voiture, régler la voiture. Il y a un coffre au trésor. Barre anti-roulis, tu m'as bien dit souple à l'avant et rigide à l'arrière. Ouais. Eh ben, j'ai ça. Je pouvais quand même pas tourner. J'imagine même pas si j'avais rien réglé. C'est une brique. Ouais, j'arrive. Après, elle était trop légère aussi. Hein. Rivo 2, j'ai encore des notifs. Putain, sur quoi? Circuit horizon ovale. Hey, tiens, bonjour, tiens. Latina. Je vais essayer de garer devant chez toi. Le Colosse, tiens. Tiens, tu m'as battu du 800 centième. Hein? Mon horizon, super tirage. Allez, viens voir. Combien de crédits je vais gagner? 3000? Allez. Une casquette. 5000? Une casquette. Allez! J'ai envie de me suicider. Hop là. Ah. La Corvette Z06. Allez. Alors. Barre anti-roulis, garde au sol. C'est peut-être parce que j'ai la garde au sol qui est tout en bas. Ah, je suis peut-être. Ah, bah oui! Ok, je crois que j'ai compris. Je crois que je l'ai mis. Je crois que j'ai mis une suspension de drift. Tu t'es pas dit? Bah tiens, c'est bizarre, en indice de performance en tenue de route, j'ai 2. Bah attends, en vrai, genre en termes de stats. En termes de stats, bah, tu vois pourtant tenue de route 3,5 et tout terrain 4,2. Ça va? On dirait il y a pire. On était sur la course de rue. Course de rue. Tous ensemble pour la victoire. Voilà, je veux dire, voilà. Non mais en vrai, par contre, il y avait une voiture qu'on aurait pu prendre, c'était la DeLorean. Elle était valide pour le tournoi. Elle était juste en classe D, donc on la voyait pas par défaut. Oh, de la tunasse. On ne revient pas dessus, d'accord, très bien. Alors, t'inquiète. Ok. Si. Ah, mais alors c'est pire que ça, des Lexus, en fait, il y en a plus que ça, il y en a 5 des Lexus dans le jeu. Ah. Ouais, Lexus 1997 SC300. 2010 LFA, 2015 RCF, 2020 RCF Track Edition, 2021 LC500. Ah d'accord. Ouais. Bah du coup, sélection du festival. Là il faut... Alors... Attends deux petites secondes, je suis dans la zone de drift du machin. Ah, la zone de drift arcade. C'est dans 11 minutes. Non, je suis dans la zone de drift à faire avec la voiture, une voiture American S1 là. American. Parce que là, grosso modo,
Dans 11 minutes, il y a une zone arcade de drift qui est prête. Les zones de drift, elles sont très 11 minutes, ouais, c'est long. C'est... Ça, ça vient à peine d'être reset dans ce cas-là. Ouais. Ouais. Parce que c'est toutes les 15 minutes dans tous les cas. Donc, ce qu'on peut faire en attendant, c'est une course de rue avec la Camaro ZL1 1LE de 2018. Bah oui, mais ce sera bien en solo aussi. Voir sinon les rivaux, mais ça tu les as déjà fait, Noé. Ou sinon, vous sortez une Mustang GT coupée de 65 ou une Mustang GT de 2018 et vous faites 6 étoiles à des panneaux d'Angers. Voilà, je viens de faire. Voilà, vous avez déjà fait, moi, terminé. Voilà, j'ai fait les... Super tirage. Allez, on va le tirer. Il allez, Jade gagne des vêtements. Allez, ou 5000. Faut quoi, quoi 5000, 30000, 4000. Quoi, ah, je me déteste quand j'ai raison. Tu disais qu'il fallait quoi comme voiture? Oui. Il se met ma gueule? Oui. Non, non, il faut... Mais tu prends pas de mongol? En gros, là, c'est grosso modo la Ford Mustang GT de 65 ou la Mustang de 2018. Tu dois la sortir et ensuite tu dois faire 6 étoiles au panneau d'Angers avec pour qu'ensuite on puisse s'en servir pour faire une course de route avec et qu'on gagne les courses de route avec. Okay, ou course de rue, quoi, plutôt. Course de rue, ouais, c'est ça. Ouais, moi j'ai pris la 2018. Je l'ai mis en S1 900. Bah de toute façon, vu qu'elles étaient toutes quasiment S1 900. Ok. Horizon Arcade, épreuve de saut. Dans 10 minutes. Et tous les horizons arcade seront bientôt prêts, mais c'est pas encore le moment. D'accord. Donc on est à 900. Ok. On va faire ça. On va peut-être d'abord changer quelques trucs sur la Onigan. Ouais, il manque 14 km pour le jeu saisonnier, mais il faut faire quoi? 289. Le problème, c'est que j'ai tout un side. Oui. Pas grave, pas grave. Du coup, il est où le truc? Il est là. Ok, ça on revient dessus. T'as silencieux maintenant. Hein? C'est silencieux. Oui. Bah on est en train d'attendre. Je vois ça. Ouais, je suis en train de régler mes sangles.
Ouais, super tirage. Allez, regagnons des 5000 crédits. Ouhouhou. 20 000, une voiture et une voiture. Ok. J'aime bien me coincer à des endroits particuliers. Edwin Salim S7LM en C600, pardon. Quoi? Ta voiture dans quelle classe? Je sais pas. Ils disent que t'es en Saline et que t'es en C600. C'est tout. Peut-être parce qu'on sort du championnat C600 et que je suis en train de faire le Rivo à la Saline. Le Rivo, le radar plutôt, tu veux dire? Non, le Rivo. Ouais, je te vois tourner sur la carte en fait. Je suis en train de faire le Rivo. Bah oui, mais je devrais pas te voir tourner sur la carte. T'es peut-être bugué. Tu me vois au niveau de quoi? Des dunes? Ouais. Ouais, bah c'est ça. Parce que c'est en fait, tu passes par le radar en fait. C'est... Ah d'accord. Là, tu vas tourner. Ouais, je tourne là, ouais. Voilà. Et là, tu vas arriver sur le virage. Ah là, t'as succession, virage ouais. Voilà, la petite ligne droite. Ouais. Ouverture de virage. Et, non, et là, tu vas voir la petite ligne droite. D'accord, et là, t'as virage. Et là, tu. Passe le radar. Voilà. D'accord. Pas mal ça. Pas mal les bzaises. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc c'est toi un panneau de danger? Ah total ouais. Oh, attends, il est où quand t'es scopé? C'est quoi cette voiture américaine pareil? Panneau de danger? Avec ah, la oui, Mustang la, GT de 65, la Mustang de 2018. Non. Pas le danger, non. Ah oui, pour le... Ah oui, pour le... Ok, oui. Ah non, zone de vitesse. Non, je suis con. Putain, zone de vitesse, non. Zone de vitesse. Oh, il n'y a pas de stats. Il y a une zone de vitesse. Elle est où, la zone de vitesse? Il faut atteindre les... 141. Et je l'ai fait avec quelle voiture? Dodge Viper, ok. Bah, je prends ma Viper, écoute. Ça fait partie des voitures. Ah oui, pour objectif saisonnier. Pas de problème à prendre la petite Ford. Hop là. Ah! J'ai préparé à cause de rue. Voilà la course de rue en. En Mustang. Ouais. Hop, nouveau record. Alors perso, moi j'ai une Mustang pour... mais elle est pas améliorée hein. Ah bah il faut S900. Ah, il faut S900. Hein? Il faut S900. Bah enfin il y a pas forcément deux classes mais le truc c'est que vu que moi je vais la lancer en S900. Ah ouais. Super tirage. Allez gagnons de la merde. Let's go, let's go. Une Lexus. 100 000, 200 000. Ah, ça va. Bon, bah, ok. Je dois faire un 900 là, du coup. S1 ou S2? C'est un 900. Est-ce que je l'en double la voiture là, la Porsche Taycan S? Bah. Je peux la vendre pour 92 000. J'ai besoin d'argent. Allez, vendre. Ok, ça c'est fait du coup. Sanction. Mais attends, tu veux lancer quoi du coup? Faut gagner une course. Je connais la récompense, nickel. Un petit tirage. C'est quoi, c'est possédé la Ford?
Attends, là on va avoir la zone de drift qui va être prête là. C'est GT de 65 ou de 18. Zone de drift, hein. Ouais. C'est soit la GT 65, soit la Mustang 2018. Attends. J'ai reçu le camion Mercedes Ford Edition. La Mustang Ford GT. C'est assez drôle ça. Attends, sinon c'est 1900 combien là? Mazda RX-7 des 90. Je pense pas que je l'ai la vieille. Donc du coup je vais prendre la... Par contre putain, le radar à 289 il est chiant à faire, non? La Mustang, c'est ça, c'est Mustang que j'ai... Mustang GT 2018, c'est ça? Je l'ai fait au deuxième try. Ouais, Mustang 2018, ouais. Ouais, bah, j'ai pas l'autre, je vais prendre celle-là. Kira, mais bon. Qu'est-ce que tu fais? J'ai combien de temps pour faire la config de la Ford Mustang? À peu près 30 secondes. D'accord, je vais faire après. À 30 secondes, après, on s'en fout. De toute façon, on fait le. Ouais, c'est pour le. C'est pour l'horizon arcade. Si tu veux pas le faire, l'horizon arcade, y a pas de problème. Bah si, je veux gagner des points. L'horizon arcade il est où? Drift? Ah mais il reste 1 minute 50. De quoi il reste 1 minute 50? Ah pour l'activation, les inscriptions se terminent dans 1 minute 40. Horizon, oui, c'est qu'il faut y être tout de suite en fait, justement. Arcade ou saut? Arcade drift. Il y a un saut en bas. Et le saut c'est pareil, c'est aussi une minute qui reste. Ouais, mais... Bah, moi je fais drift perso. Minou, tu peux mettre un point s'il te plaît? Ouais. Moi je le vois. Hein. Tu vois là où je suis ou pas? Après, peut-être que tu réactives les trucs sur ta minimap, mais bon, là où je suis, tu vois. Hop là. J'arrive. Ah! Drifter jusqu'à la destination. Drifter le plus possible en vous rendant aux zones de drift. Ah, oui, d'accord. Ah ouais, faut rester sur la route, connard. Et le point de rendez-vous, il est où là? Parce que... Le truc rose. Non mais je m'en fous du truc rose. Je suis déjà en train de faire ton objectif, moi. Destination de groupe. On est d'accord que la route verte, c'est la route de convoi. Hein. Ouais. Peut-être la supprimer. Du coup. Ok, attends, je vais la supprimer. J'ai un mec qui fait demi-tour alors que. Voilà. Ouais. On est d'accord qu'on peut le faire n'importe quelle classe voiture, enfin pour le... Ah oui. Oui, oui, ouais. Bon, après moi j'ai pris une American S193 comme ça, tu vois, je suis sûr. Bah du coup moi j'ai la GT 2018. Après tu vois, j'ai peur d'un truc, c'est que vu qu'on est beaucoup à participer, j'ai peur que les manches... Le score. Ouais. Tourner au départ en driftant. On est bientôt. Je crois que c'est 3 millions, on est bientôt aux 3 millions. Bon, bah je vais manquer 200 000 points alors. Ah non, c'est un peu plus 3 millions, voilà. Ok, destination Horizon Arcade, c'est juste là, d'accord. Bon, allez, on est juste à côté. Qu'est-ce qu'il y a à fond? Je crois que ça sert plus à rien de drifter là, faut aller apprendre dans la zone. Une fois dans la zone, c'est là que ça va commencer à monter. Ouais, faut aller dans la zone. Ah ! Je suis en train de faire mes trucs dans zone. Ah non, j'en profite, y'a pas d'eau que j'ai pas ici. Ouais.
Ouais, de toute façon, ça va le faire, c'est 3 manches. Easy, easy. Là, pour celle-ci, ouais. De toute façon, les horizons drift, c'est... enfin, les arcade drift, c'est les plus simples. Oh, ouais, tout. C'est le plus possible dans la zone de drift. Ok, let's go. Je téléporte. Hop. Je vous attends. Eh, ni ni ni, moi c'est Chris, je vous attends. Je suis dans la zone de drift, hein, franchement, vous êtes lents, hein, les mecs. Hein. Trop loin. C'est quoi ça qu'on driftait? Ouais, mais c'est, en fait, je voulais les caresser mon poteau l'arbre, en fait. Espèce d'enculeur d'arbre. Voilà. Là, moi, je suis en train de drifter en automatique, donc tu comprendras bien que... Ah ouais. Je sais quand on arrive comme le DRS6 aussi, tranquille, le mec devant. Non mais je te jure, lui, j'ai pas compris. Bon, moi j'ai plus personne sur la map. $155,000, ce qui est pas mal, en vrai, ma pauvre voiture en B. Parce que moi je viens de boucler 154 000 points avec ma voiture en S1, tu vois. 155 000. Je vois plus personne sur la map, c'est normal? C'est vrai que je vois plus personne, mais c'est pas grave, c'est pas grave. T'inquiète, ça va le faire. Petit, tout va bien. Petit, tout va bien. La progression du groupe monte quand même, donc c'est que ça va. $163,000, ah! Un peu mieux, un peu mieux. Je sais pas quel est mon record sur cette zone là, mais. $163,000 aussi. $154,000, oh. Le retour était plus simple. Ouais. Non, pas d'accord. C'est parce que si je suis brûlé en drift, c'est que j'arrive pas. Ça dépend, t'as quoi comme aide à la conduite d'activer? Juste ABS. Il y en a aucune, mais comme moi, il a que l'ABS. Ouais, bah la même. Mais je suis juste pas à l'aise, moi, de base, avec ces disciplines là. Enfin, je. Oh, 170 000, je crois. 160 000, hop. Easy, okay. Easy. Bré, bré. Et ben voilà, putain, c'est pas mal. Ah ouais, coucou Edwin. Hello. Ok, horizon, tirage. Ah non, je suis en A800. Putain, je pensais que j'étais en B. Non, je suis en A800. Bah. Distinction. Encore des sign. Distinction, qu'est-ce que j'ai là dans distinction? Ok. Comment ça, Merivo? Obtenez 50 étoiles à des zones de drift dans des épreuves aux arcades. Ah ouais, Edwin, d'accord, ok. Quoi? Bah, mettons là. Ah oui, non, mais je... Dommage. Du coup, vous avez tous fait ou pas les 6 étoiles dangereuses en Mustang ou pas encore? Oui. Ah oui. Mais par contre, j'ai pas pu modifier ma Mustang. Ok, Alex, tu l'as fait ou pas? Bah non, on a fait de la truc. Ok, m'agresse pas. Ah, moi j'ai pas récupéré la Corvette, déjà. Et en plus, faut que je l'augmente en S1. Excusez-moi. Le vous? Ah, ma voiture était réglée pour en A. Maintenant, bah voilà. Ah bah voilà. Après, je peux pas sauvegarder la config que j'ai là, tout de suite comme ça là. Si. Dans les réglages pro, quand t'es dans les réglages, après tu fais back et sauvegarde. Mes réglages. Menu réglages.
Sélection oui, mais est-ce que ça sauvegarde le A? Ça me sauvegarde le A? Oui, ça sauvegarde le A. Ça sauvegardera ton réglage dans l'état actuel. Sauvegarder réglage. Genre dans l'état de Pennsylvanie, tout ça, tout ça. Alors, on va voir. Classe A. Hop, validé. Oh bon, je commence à voir le niveau des dents là qui commence à bien chauffer. Tasty, hein quoi? Tasty Bob? Pardon. Ouais, c'est ça la lucide, d'accord. Ok. Putain, alors elle a des traits d'une alpine. Elle a des gros traits d'une alpine, putain. C'est de la merde à conduire. Laquelle? La lucide. La quoi? La lucide. C'est la lucidité, tout ça, tu sais. Ah, tu fais des rigos là? Ouais. Non mais elle patine de ouf cette pute! Ah voyons, faut que le rival me propose de pouvoir battre le temps à Nono sur le rival du mois. Et bah j'ai pensé d'être parce qu'il est plus haut. Tu es à quelle position moi? J'ai pas regardé, je crois que t'es millième et quelques. Parce que Noé était à 1000 et quelques et du coup je savais pas si ça avait. Enfin s'il y avait eu une grosse différence ou pas. T'inquiète pas Nono, je vais te venger. Non, je vais me venger moi-même. Ouais, travaille autant que tu veux, moi ça m'a pris 5 minutes. Hein. Oui. C'est une traction en fait l'électrique. Enfin, elle fait traction en tout cas. Ah, elle est plutôt sympa la saline. Ça va. Donc là je suis à fond dans les. Mais elle a pas de frein cette grosse pute. Oh c'est vraiment de la chiasse cette voiture. Ok donc là je suis à fond. Le panneau danger. Si le danger.
c'est vraiment de la merde cette voiture. Ton rival en voiture électrique, je battrai pas Noé, j'ai des ralentissements du jeu. C'est que le circuit est trop long, du coup ça me fait des micro-freeze. Et quand ça me les fait, bah du coup en fait toi ton perso il continue à avancer, mais moi non, en fait. Lucky. Waouh, j'ai carrément la voiture qui s'est plantée dans le mur. Par contre, j'arrive pas à comprendre comment vous avez pu mettre la voiture en 900. Laquelle ? La Formule 5 de 2018. Bah, c'est simple. Quoi, la Mustang GT en S1 900, bah c'est facile. Moi, je suis à 894. C'est la vieille Mustang que tu utilises ou la plus récente ? La nouvelle. C'est celle que j'ai utilisée dans le premier championnat qu'on a fait là dans le test. Je sais pas, je suis en 894. J'étais en 900. Hein. Attends. En S2 ou en S1 S1. Pourquoi 994? C'est S1 914. C'est S1 900, Noé. Et toi, t'es en 894, c'est bien ça? Ah, 894 ou 994? Non, c'est 894. Ah, oui. Ah. Mais wesh, attends, mais moi, je peux la voiture, je peux la passer en S2 si je veux, easy. T'as mis quoi comme moteur, Noé? On est d'accord que c'est la Mustang GT 2018 Ford, hein. On est d'accord. J'ai mis le V10. Attends. Attends, je vais aller au garage. Non, non, le 8-4. Je vais la regarder aussi parce que... Attends. Garage. Alors, mes voitures. Non, pas mes voitures. Amélioration. Amélioration perso. Ah! J'ai le moteur d'origine, moi. Qu'est-ce que j'ai comme réglage? Moteur, je suis à fond pourtant. Tu sais que si je passe au 7,7 litres V12, je peux passer en slick, mais j'ai pas envie de passer en slick. Je garde en per. Mais c'est les pneus. Mais Noé, c'est les pneus. Oui, mais j'ai pas envie de passer en slick. Bah si. Amélioration et réglage. Amélioration. Alors, 4 roues motrices ou pas? Non. Le mec, il est en propulsion et il se pose la question. Et merci du follow, Markoon, ça fait plaisir. Bah oui, la voiture en propulsion n'a pas de vitesse. Prends un petit coca bien frais chacal et vas-y, mets-toi bien. En 4 roues motrices, elle a pas de vitesse. Et comment ça? En 4 roues motrices, elle a pas de vitesse. Je vous ai allumé sur le test avec. Je suis à 7,1 en vitesse. Je suis à 5, si je mets en 4 roues motrices maintenant, je suis à 5,1. Bah, vitesse, j'ai 7,1. Hein. Ouais, pareil, je suis à 7,1. Moi, je suis à 5,1 si je mets en... Oui, mais après, c'est qu'il faut améliorer des trucs, en fait, derrière. Faut changer la boîte de vitesse et tout. Genre, c'est la boîte de vitesse, elle se reset hein, quand tu changes les roues. Donc, faut remettre la boîte de vitesse. I don't speak Hungarian. Uganda. I'm not from Hungary, so I don't know. Do you know who Dominic So? Bah ben ouais, putain, je suis curieux. Parce que, attends, si je mets le V12, je passe à 7,6 et je descends de 900 à 895. No, I don't. Je me pose une question très. Dominic Szoboszlai. Écoute, je vais essayer ça. Est-ce qu'il y a un hongrois sur mon chat? Edwin, je viens de mettre un V12 dans ma voiture, je passe à 7,6 et j'ai baissé de 5 points. Oui, bah après c'est une série. Hein. La boîte de vitesse qui m'a fait gagner littéralement 7-1. Bah oui, mais c'est ça en fait, la boîte de vitesse elle est importante. Ah ouais. Bah oui. Ok, ouais. De toute façon, tu t'en fous, c'est la vitesse de pointe. Tu t'en sers souvent toi la vitesse de pointe là-dessus? Sur quoi, la Mustang? Oui. Bah je roule pas moi d'habitude. Je t'en fous de la vitesse de pointe. Mais je vais là, pas... avec cette... Non mais alors, je...
Je veux bien, mais si je suis capable à 230, ça va pas le faire, je crois. Ah, t'étais capable à 230 en vitesse de pointe? Oui. Oh, le con. Qu'est-ce que j'y sais, Edwin? Le con. Oh, le con, mais... Bon, voiture, acheter des voitures avec des coupons pour continuer. Aucune voiture à coupons disponible. Hein? J'ai pas compris, là. Je crois que ça doit être dans les nouveautés, du coup. Peut-être regarder les actus du jeu. Non, mais non, comprendo. Comprendo, l'abdamido, libido. My Horizon. Putain, en vrai, tu as tellement bien piloté sur le Rivo. Pour le temps. Bah, en fait, si tu veux, j'ai recommencé quelques fois. Genre, en fait, ça m'a pris quoi? Ouais, entre 5 et 10 minutes. Ce qui est rapide, hein, parce que le circuit est très rapide. Donc, j'ai essayé de faire un bon truc. Mais en vrai, le tout début, genre, je me suis croûté. Hein. Genre, vraiment, en fait, quand j'ai fait le temps, je sortais d'un tour où, genre, dans la dernière ligne droite, je me suis pris un mur. Donc, j'étais même pas en vitesse max. Quoi. Bon, allez, moi, c'est bon. Famous Hungarian plays for Liverpool. Try it this way. Zoboslaj. I don't know how to pronounce this correctly. Famous Hungarian plays for Liverpool. Okay. In the football team? Bon, finalement, je suis ready. Ok, alors je quitte le rival. Bosslash. Ouais. Attends, moi, il y a un truc aussi, par exemple, si moi, si je rate une vitesse en manuel, ma voiture, elle Oh, ok. Mm-hmm. Yeah, I see him. Dominik Szoboszlai. Ok. Ok. Man, he's younger than me. Ok. Ah, je suis prêt. So, yeah, I don't know about him. As a matter of fact, I don't watch football. So... du coup, et toi Alex, du coup, t'as fait les... Non, t'as... Ouais, ouais. Ouais, bon, bah nickel, bon, on va pouvoir... Genre S1. Voilà, donc du coup, théoriquement, vous êtes tous au chapitre 3 sur le Forzaton des films de Nadal. Attends, je regarde pas pour être sûr. Chapitre, c'est ça, ouais, chapitre 3, réveiller les voisins. Ok. Eh ben, let's go. En bonne course de rue au volant de la Ford Mustang GT. Eh ben, écoute, on va faire ça, hein. Mais que de mettre le marathon, et hop, tant qu'on y est, on s'en sort des sous en même temps. Le marathon? Pourquoi tu vas aller voir... Le marathon. Tu sais, Chris, que je vais pas t'aimer à force. Hein. Pourquoi? Parce que on n'a pas le temps. Oh. J'ai envie de voir un truc. Ah, bordel. They want to see something. I need to see something. Hop. Oh. Oh, Jaja. Une preuve. Qu'est-ce que tu nous fais là? Le mec, il parle devant qu'on n'a pas le temps pour faire le marathon. Le mec, il fait quoi? Il crée une épreuve. Oui. À vous? Bah écoute, ok, I have to go for another good game. Ok. Well. Tu fais maintenant partie des auteurs d'épreuve Horizon. Have a pleasure. I have a good time. D'une belle aventure. I don't know. Alors, est-ce que ça marche? Putain, ça marche. Ah, c'est pour ça que t'étais pas sur le terrain. T'organisais ta première épreuve. C'est pas si facile que ça, hein. Le mec veut nous faire une course de rue en drague, c'est en ligne droite. Quoi? Ah non, mais c'est pas ça, j'étais pas en train de... Voilà. Putain, créer et publier votre première épreuve personnalisée du labo de preuve. Récompense de distinction disponible. Oh, putain. On verra ça après, hein. Normalement, ça vous a tous permis de choisir votre voiture? Pour l'instant, non. Ah, là, je suis dans... Là, je fais rien, là. Je suis en train de... Mais attends le début de l'épreuve. D'accord. Moi, j'ai rien du tout. Et ça vous met tous les trois le veuillet attendre. Non ça... Ok. Non, moi je roule, moi aussi, il se passe rien. Hein. Ok. Moi j'ai rien. Ah, recherche une session. J'aime parce que c'est moi qui ai créé l'épreuve, mais recherche une session.
Connexion à la session. Ah ouais, mais attends, début à l'épreuve. D'accord, là c'est session bon. Session augmente. Ouah, ça m'a freiné d'un coup. Du coup, il faut faire quoi? Juste gagner, c'est ça? Ouais. C'est une course de rue. Non, j'ai pas course de rue. En fait, c'est moi, pas... je peux rien choisir, moi. Ah ouais, non, mais c'est le chargement, là. J'ai pas oh, ah, mais je veux dire, c'est-à-dire, c'est que j'ai vu, il est marqué session machin, sauf que là, ça a disparu, j'ai plus rien. Hein? Non, bah, je suis pas avec vous, moi. Si ça a lancé, je suis pas avec vous. Hein. Mais non, ça m'a mis coop. Et genre, vous êtes en chargement, les gars, là, actuellement? Non, bah, moi, non, j'ai rien, moi. Moi, oui. Moi, je suis en chargement. Bah. Ok, donc Alex, il a bugué. On avait tous bien la Mustang d'équipée, là. Oui. Bye. Non, mais moi, j'ai pas eu de menu de voiture. Depuis tout à l'heure, je suis en train de dire que je suis en train de rouler, moi. Ah oui, vous, vous avez eu un menu de voiture, les gars? Oui. Oui. Ah, the fuck. Et pourtant, j'ai eu machin, recharge session machin, là, il a paru au dernier moment, et après, il a disparu aussitôt. Allez, on espère que tout va bien se passer, que je vais pas aller me faire reculer par un cheval. Ça fait plaisir. Bienvenue, installez-vous, mettez-vous bien. J'espère que ça va. Hello. Welcome, everybody. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue, installez-vous. On a de la place, il y a des fauteuils, il y a des petits fours. Voilà. J'espère que ton live s'est bien passé. Voilà. Parce que c'est la base. Hein, bon, bah, quittons. Hein. Ouais, on va quitter. Ouais, Viper. Oh, ok. Bah, c'était ça la Viper folle du coup. Wesh, wesh, canapèche. Ah, bah oui. Et bah voilà, mais c'est Sarah, dis donc. Bonsoir, ready pour le week-end? Ah, bah alors là, stressé surtout. Et ready player one? Quoi? Alors attends, tac, du coup on quitte, hop, non franchement stressé. A quitter le convoi, d'accord. Et vous du coup, oui. Prêt, enfin, ah, prêt, point E, point S. Ah. J'avais dit à point S. Oui. Ici c'est la parce S. Parce que je connais Patrick Bosso personnellement, enfin non c'est Patrick Bossu plutôt, bon il a pas eu de chance à la naissance mais, quoi? Quoi? Hein? Qu'est-ce quoi? Raconte, lui quoi? Bizarre ce qu'il raconte lui. Bizarre, ouais. Oh, putain, la récompense. It's alive! Prêt à moitié de mon côté. Mais je peux te croire, oui, je peux te croire. Non, mais en plus, moi, j'ai rien préparé au niveau des overlays, etc. Faut que je règle ça, mais. Tu bugs, reboot? Oui, tout à fait. Bonjour, je suis Edwin 2.0. Que puis-je faire pour vous aider? J'entends pas Gris, on est Alex, mais. Ouais. Et tu parles très bas, rapproche-toi de ton micro. Il faut qu'on te réinvite, Alex. Voilà. Toi non plus, t'as rien après, je me sens non, ouais, non, mais, moi mais le truc, c'est que micro. Si tu veux, genre, voilà. J'ai débauché à 19h40 ce soir et moi j'avais le live à 21h. Donc entre temps, je suis rentré, j'ai posé ma pêche, j'ai mangé, j'ai lancé le live et je suis à ce point-là dans ma vie. Et à la fin du live, dans pas trop longtemps, mais voilà, quand on aura fini les épreuves, parce qu'on n'est pas si loin, bah, et bah, il va falloir que j'aille prendre ma douche, que j'aille me coucher parce que demain, debout encore 8h parce que le boulot. Génial. Je viens de tout préparer en rapide. Bah écoute, ça se comprend. Moi je pense que je vais pas avoir le choix, hein. Ça va être préparation demain entre 18 et 20h. Bon au moins, j'ai pas préparé avant qu'il y ait la première bug fixe qui soit sortie. Voilà. Bon bah du coup je viens de nous relancer le duel nocturne dans les loulous. Mais non mais ouais. C'est franchement... que j'ai un truc qui apparaît ça. Création de la communauté. J'ai pas accès à ma création. Mais je me dis, ma création là, oh, mon épreuve. Et voilà. Kira. Non, mais après, on va voir comment ça va se passer. Je sais pas, vous, de toute façon, oui, Sarah, je sais que tu l'as fait l'an dernier. Keia, toi, tu l'as fait l'an dernier? Parce que du coup, moi, il y a l'appréhension quand même. Ah, rejoins l'épreuve. Voilà. Voilà. Oh, putain, bah, j'ai pas annoncé mes donation goals, j'avais dit que je les sortais ce soir. T'as envoyé un message pour rejoindre l'épreuve ou pas? En fait, moi, au début, il est marqué, il a fini de créer une épreuve et attendre des missions, machin, j'avais ça, et puis ça a disparu. Bienvenue au club, voilà. Ah bon. Monde, d'accord. Ouais. Yeah. Nice. Ok, bah comme ça, ouais, ça va être la première fois nous deux en même temps, voilà. De toute façon, je pense qu'on est plein à faire la première fois là-dedans. Donc bon. Je vais perdre ma virginité au niveau caritatif. J'aime cet humour. Hey. Nous sommes dans Forza Horizon Most Wanted, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. On est Forza Horizon qui coule l'esque, pardon. Ah, le truc de aide pour gagner quelques points d'amélioration des pneus semi-slick. C'est qui le con qui est avec une Mustang dans le mur? What? Quelle couleur elle est? Blanche et bleue. Bah moi écrit on est blanc et bleu. Non, juste moi j'ai dit orange. Bah c'est moi alors. C'est quoi ce circuit là? Qu'est-ce que vous avez fait d'une nuit? Il est long. Mais non mais c'est le circuit de base. C'est un duel merde, nocturne.
Oh oh, ma manette. Pourquoi je me fais pousser? Pourquoi? What the fuck? Mais... What? What the fuck is this? Oh là 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 là. En fait, Sarah, demain soir, je sais pas si t'es en live dès le vendredi soir, mais si tu veux, on fait du Halo Master Chief Collection. Donc si jamais ça te tente, et pareil, ouais, Kéa, bienvenue si jamais tu joues à Halo. Vu qu'on va passer sur multi tout ça, pour ouvrir un peu le bal. Alors, franchement, ah, Christ, voilà. T'as une défense de santé, du coup, bah, j'ai niqué la police. Oh l'enculé. Ah, putain. Hop, tac. Je drift un peu. Ah, désolé, alors... désolé. Là, j'ai vu que c'est moi qui t'ai poussé. D'accord, d'accord, tu penses ça comme ça. Allez, ciao. C'est un boxon ce début de course, mais totalement. Ah, merde, ça tourne. Ah, je lisais le chat. Ah. Mais revenez, les mecs. Laissez-moi de la place. Au nom de la loi, je vous arrête. Ah non, j'ai mis le point de contrôle loupé. Chet. Putain, moi, j'ai mon jeu qui commence à avoir les frises. J'aurais vraiment dû lancer sur la Xbox. Ah. Ah ouais, non, non, c'est atroce. Ah. Ah tiens, d'ailleurs, Sarah, pendant que t'es là, j'ai une question. Niveau des objectifs, là, des donation goals, qu'est-ce qui est réaliste, concrètement? Genre, l'an dernier, par exemple, qu'est-ce qui était réalisé à peu près par chaîne? Juste histoire d'a... Oh putain, le virage. Le décor. Histoire d'avoir un ordre d'idée de est-ce que je dois me chier dessus en me disant ça se trouve, l'objectif à 10 000 balles, il peut se réaliser? Ou alors est-ce que ça va, je suis safe en me disant 200 balles, déjà, ce sera très beau. Parce que j'ai vu un petit peu les donation goals de chaque personne et je me dis ah. Non, je suis tombé dans le ravin. Oh merde, ça tourne. Certains ont frôlé les 1000, moi j'ai fait 22. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, donc c'est bon, en vrai, du coup, à 10 000, ça veut dire que je suis safe, ok. Parce que bizarre, l'objectif Chris des 10 000. Il dit rien, hein. Bizarre ça. T'as pas quoi tu parles? Ouais, ça va. Ça va, ça le tourne pas ma voiture. Défaut, ça sent comme d'hab, hein. Et config à la sbub. En fait, déjà, l'objectif des 5000, c'est je saute dans le vide dans ma partie Minecraft Hardcore Skyblock. Voilà, tu comprends. Ça dépend des communes des gens. Ouais, bah alors, moi, vu que ma commu, elle est à peine reconstituée depuis août, qu'on est à 8 viewers de moyenne, alors qu'avant, j'étais à 15 à mon prime time. Oh, putain. Voilà, c'est compliqué. Ah, dommage, putain. Alors, la ligne aurait été plus longue. Putain, j'aurais peut-être pu tenter, mais triste. C'est par le principe que plus de 1000 balles, t'es safe. Oui, totalement. Non, et puis l'objectif à 10 000 balles, fois, j'aurais pu défoncer le cul dans un virage parce que la toute première course a été gâchée à cause d'un petit tapage. En gros, je vous le spoil parce que c'est pas censé sortir spécifiquement, mais en gros, à 10 000 balles, je dis à ma crush ce que je ressens pour elle. Voilà. Dis-toi, par exemple, total, l'année dernière, on a fait dans les 4 000. Mais c'est déjà très bien, 4 000 en cumul, franchement. Franchement, c'est pas mal du tout. Alors, évidemment, espérons que ce soit comme les events, en gros, que ça monte en popularité chaque année. Et que du coup, il y ait plus de personnes qui soient rassemblées, tout ça, mais ça peut être vachement intéressant. Ah, succès déverrouillé. J'ai entendu un toc-toc. Remportez votre premier duel nocturne. Très bien, ok, oui. Bah, oh, putain. Voilà, succès déverrouillé, je vais juste prendre ça. Ah, mais alors, ça se voit pas parce que c'est l'overlay, mais oui. Non, mais voilà, c'est... Hey, et en ça, plus, voilà. En plus j'ai fait exprès en plus de prendre un championnat où si tu le gagnais en Mustang, ça te faisait des distinctions en plus. Est-ce que ça a marché? Ouais, remporter le duel nocturne Ford Mustang Mach 1 de 1971 au volant de n'importe quel Mustang. Parce qu'à la base, on devait pas affronter une Viper, à la base, on devait affronter une Ford Mustang Mach 1. Grâce à toi, j'ai disputé 30 épreuves personnalisées créées par d'autres joueurs. Voilà. Okay. De toute façon, c'est du caritatif, 1€, c'est déjà une victoire en soi. C'est vrai. Sachant que, tu vois, à 500€, moi, j'ai 50 balles de ma poche, et à 1000€, je mets encore 50 balles en plus pour atteindre les 100€ de ma poche. Voilà. Donc je me dis déjà, voilà. Bon, je sais pas s'il y a encore des choses à faire. Oui, encore des choses à faire. Plus grand chose. Oh. Là, alors par contre, remporter une course de rue au volant de la Ford Mustang, mais par contre, ça m'a pas marché. Ça va marcher pour vous ou pas? Chapitre 3, vous voulez vraiment tirer? Moi, j'avais déjà fait avant. Donc, ah, mais c'est parce que Edwin, c'était du chacun pour soi et c'est. Et qui c'est qui a fini premier? Bah, c'est moi. Il vient de le dire. C'est Chris. Bah, je vais nous mettre une course de rue normale du coup. C'est le seul con qui l'a déjà fait qui gagne en plus. Ouais, le seul con, ouais. Bah écoute, on va la refaire, hein. On va la refaire, c'est pas grave. Ok. Allez, à 100 euros, je croise dans un. Oh, un Ghost Pepper, 100 balles. Oh, les gens, allez chez Sarah, balancez la thune, je veux voir ça. Attends, mais tu croques dans un Ghost Pepper, mais en soi, tu seras en cam VR ou en cam réel? Parce que si c'est en cam VR, on le verra pas. Enfin, on va entendre ta douleur.
Mais à part ça. Bah après, elle peut se mettre en cam réelle et mettre un masque devant elle, justement pour pas qu'on la voit, mais qu'on voit juste en gros qu'elle croque dedans, quoi. C'est vrai. Bon, du coup, je remets coop. Horizon Street Scene, descente de la colline, ouais. Aïe, ouh, j'ai ma nuque qui vient de craquer encore. Ça fait mal. Ah, parce que là, on était pas en coop ? Mais non, c'était chacun pour soi. Ah, ouf. Ouais, c'est pour ça, toi, t'as gagné la course, mais pas nous, du coup. Pas faux. Ouais, en vrai, ça. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Face reveal. Oh, j'aurais dû jouer le gros connard et prendre des trajectoires de merde sur chaque virage. Franchement, j'ai hâte de revoir ta tête. Et ouais, parce que tu vois, Keya, bah, moi, Sarah, je l'ai rencontré il y a des années. Voilà, je suis un privilégié. D'ailleurs, Monstra qui est là aussi, il l'a rencontré il y a des années. Voilà, yeah. On est des privilégiés. Yeah. Ah, vas-y, je pourrais l'embrouiller. Déjà que je suis déjà passé en live IRL sur une autre chaîne. Ah ouais ? Il y a un replay ? Ah, c'est bon, j'ai pris le matu de la Lamborghini, alors ce qu'elle vaut. Ah oui, le mec il a carrément abandonné l'idée de la Mustang, c'est, il a fait j'ai gagné, donc bah, moi je suis plus à sa frère, voilà. Il va nous fumer avec sa Lambo, mais tout va bien. Ah ça, c'est une coup de tâche. C'est toi la tâche. Ah, en vrai j'ai pris la Mercedes 300 SLR. Hey, il a dit qu'il avait pris une tâche, ça n'a aucune logique. Je faisais un live plutôt interview pour la mission locale. Ben, ok, c'est cool ça. Je suis pas un connard. What? Qu'est-ce que... What? Sympa ta comptage, Chris. Attends, j'ai Mélanie qui vient de m'envoyer un message en me disant hey, « Edwin, t'as changé de pays. » Quoi? Bah non, pourquoi? Hein? Hein? Elle a fumé quoi? Mélina? Oui, oui. Et pour que quoi? Mais je sais pas du tout. Ça sent le prank. Parce que elle est vue en Suisse, donc ça se trouve, elle va me dire « Oh, je sais pas, sur Snap, je t'ai vu en Suisse. » Quoi? Ok, what the fuck? Ah, il a... Non, t'as repété un Mustang du coup, Chris. On va rester plus qu'à espérer que la cagnotte de ça remonte. Mais je te jure. Mais c'est rien en fait. Hein. En vrai, t'aurais pu prendre la petite voiture là qui est juste là, là. L'espèce de petit truc. C'est moi, il y a une Supra devant nous. Is that a Supra? Is that a Supra? Moi, je vois surtout les autotamponneuses devant nous en fait. Oh putain, saleté d'IA qui bouge au dernier moment. Attends, je te pousse. Ben ouais, il est à fond. Putain, j'ai des ralentissements. Ah, je reconnais ce virage là. Oh merde, ça tombe! Oh, j'ai failli taper Noé. Ah, je l'ai tapé moi, normalement. Ouais, bah t'inquiète. Bon, on part en bot! Merci. Oh putain, j'ai trop de ralentissement, c'est. Putain. Oh putain. Ah, c'est moi qui me la prends! Ah, voilà. Par contre, vraiment. Ah, oui, ça va, tu l'as dépassé le. Par contre, j'allais pas me dire que je veux m'affronter contre un bot là quand même. D'accord, ouais bah écoute moi j'ai des ralentissements alors tu vas te calmer hein. Oh on n'est pas venu ici pour hein. Oh putain mais oh là là les micro freeze putain je te jure mais genre vraiment. Tu me fais peur et je suis derrière toi mais j'ai peur. Faut vraiment que j'arrête de stream du horizon depuis le PC. Bah ou à ranger le PC ou retirer peut-être des disques durs qui s'attaquent, qui lag ou je sais pas, y a un truc matériel qui doit faire que hein. Bah ça se trouve c'est peut-être le disque dur que Gabi a rangé. Peut-être. Alors tac, après je sais pas encore à la limite si je face reveal c'est en cosplay. Oh bah après vas-y let's go. Merde. J'ai passé la tourneuse peu... Ouais. Ouais je commence à avoir la map qui se charge. Je commençais à avoir la map qui se chargeait, c'était pas bon ça. Perso, j'ai prévu un face reveal pour 5K dans la cagnotte perso. Ah oui, d'accord. Bah écoute, moi, attends. Face reveal, les gens. Désolé. Moi, à 400 balles, j'ai prévu de me maquiller et de me mettre la perruque de la Reine des Neiges. Voilà. Oh, il l'a fait. Oh. Attends. Hey. Pour 3 centimes, cravate reveal. Allez, je me les donne tout seul parce que voilà. Il est... Oh, merde. Juste une perruque de perso d'Azur Lane. Ah, reveal, mais c'est terminé. Je te jure. Let's go. OMG, oh. Moi, j'ai 500 euros et 2000 VTubers. Alors, les trains sont toujours appréciés à arriver au volant. Il y aura toujours ton... Si tu regardes dans mes très vieux clips, tu peux voir un live où j'ai été en VTuber. Mais,
Mais c'était juste avec Face Rig, j'avais l'avatar de Dog. Genre j'avais Dog en mode. Oh, faut prendre en photo le véhicule durant une course. Oh. Quoi? Non, sans déconner. Non, attends. Prenez une photo de la. Non, c'est pas celle-là. Non, par contre, non, pour la photo de la semaine, oui. Bah, pourquoi il me dit photographie la Chevrolet? Parce que c'est l'événement c'est photo autre, de la semaine. C'est un autre. C'est un petit troll, c'est, voilà, c'est son cookie nous. Genre là, du coup, en prenant la photo, normalement, ça te valide le chapitre du Forzaton. Ok, vous avez pris une photo en une ligne trois fois. D'accord. Okay. J'ai le véhicule, c'est bon. Pourrais me coucher, parfait. Détruisez ces ballons de football américain près de Estadio Horizon. C'est où ça, Estadio Horizon? C'est le gros stade qui est rond, au milieu. Ah, au milieu. Ok, j'ai gagné la Belvédère. Hein? C'est pas devant, c'est autour. Ok. Donc là, perso, il reste trois trucs. Il reste la photo de la Camaro de 2018 pendant une course de rue, mais ça, en vrai, si vous voulez pas le faire, on le fait pas. On fait ça solo, hein. Voilà, il reste l'Eliminator, donc faut se faire ça solo. Et il reste le labo d'épreuve qu'on doit lancer solo. Donc moi, je vous invite à lancer de l'Eliminator. Est-ce que vous êtes chaud ou pas? Attends, ouais. On a combien de ballons déjà? 6. À tout moment, on me dit de lancer, je lance. Je sais pas, vous faites les ballons maintenant, les gars, ou pas? Bah oui, en vrai, c'est rapide. Hein. Vas-y, let's go. On fait quoi, du coup? Bah, on se prépare pour l'Eliminator, ouais. Bah, quand vous voulez. Cinq. What? Du coup? Ben, on attend. Alors, quittez le convoi. Quittez le convoi. Il m'en manque juste un. Ah, j'ai un rappel. Aujourd'hui, stream caritatif. Yeah. Peut-être que vous quittez le convoi, ça doit être prêt, mais si t'es dans le convoi, ça marche pas trop en fait. L'éliminator, c'est pas en convoi que ça se lance. Hein. Là, je suis prêt. Attends, moi je suis pas prêt encore. Moi je suis prêt. Start. En ligne, éliminator. Je suis sur la case. Attends, j'en ai pour 10 secondes. Mimi. Ah la vache. Et c'est le but de l'éliminator, faut finir quoi là? Enfin en vrai, top 30. Pas vu, top 30 encore. Il y a... Bon ben... On attend toujours le même. Oui. Vu que ça fait plus de 10 secondes, hein, il respecte pas ce qu'il dit. Hein. Oui, ah là, Michel, Patrick, Henri... Non mais déjà qu'il respecte pas les 10 secondes, il va chier alors qu'il lance un strip. Non pardon, ça c'est moi. Ah oui, ça c'est toi, ouais. Bon, vas-y, c'est bon, je suis prêt pour lancer l'éliminator, vous êtes prêts? Ouais. C'est mardi. Recherche une session éliminator. Recherche une session éliminator. Eh, Alex, moi j'ai envie de dire, à 500 subs, tu renommes ton pseudo en éliminator full. Pourquoi? Oulala, bizarre. Quoi? Hein, quoi? Hey. Pourquoi? Hey. Pourquoi il y aurait des trucs qui me touchent alors que c'est même pas moi qui stream? Non mais à 500 subs sur ta chaîne. Ah. Oui. En sachant qu'en plus tu ne stream pas, imagine 500 subs. C'est le mec qui arrive à avoir des subs sans stream quoi, putain. Attends, je vais m'enseigner pour les bots, mais ça coûte. Bah alors, sachant que ce sont des subs et pas des follow, ça va te coûter 500 x 4, soit 2000 balles. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, sachant qu'en plus de ça, il va falloir que tu fasses quelque chose d'incroyable, c'est que tu arrives à te sub à une chaîne qui n'a pas l'affiliation. Éliminator, imminent. Pareil, imminent. Ouais. Nickel, on est tous les quatre dans la même partie. On va contrôler quand même avec le premier véhicule qui sera ramassé. Mais normalement... Vous allez spawn où, vous? Je pense que je vais me spawn dans le trou du cul de moi. Moi, je vais être... En vrai, moi, je vais être peut-être à tout à droite... Moi je vais vers spawn... la plage, vers tu sais le départ des grandes courses là, tu sais, vers pas mal. Là, moi. Moi je vais au niveau de l'aéroport. Moi je veux le truc qui ressemble à une bite en haut de la map. Ouais, moi je suis allé à l'aéroport tout en bas où il y a le grand saut. Ah oui.
Ah, on est deux là, alors. On est deux. Bah, oh non. Évitez de vous affronter alors. Je suis à côté du Goliath alors. Ok. Ah, je suis pas loin du mur. Ah non, my bad, je suis pas sur le. Ah non, je suis sur le grand pont. De là, je suis pas loin. Je suis pas loin du mur là. Je vois. Tout est bonne merde pour demain, ça arrive, Phoenix. Ah non, je suis sur le pont de la Goliath, pardon. Bonne préparation à toi. Des bisous, merci d'être passé, ça fait plaisir. Merci encore du raid. Et puis bonne préparation. En tout cas, c'est voilà le plus important. Ça va le faire. Et bon courage. Qui est là? Bon courage également. Ah ouais. Ah bah je vois que Noé a ramassé une Hyundai Veloster N, dis donc. J'ai spawn, j'ai un véhicule à côté de moi. Eh ouais, Chris, c'est sûr qu'il est avec moi. Ah, direction de l'arène, on va peut-être se diriger vers l'endroit où on est censé... De toute façon, là normalement, vous devriez voir un Edwin ramasser une Volkswagen Golf R10. Oui, c'est Ouais, ouais, oui. ouais. Voilà, bon, on est tous les quatre dans la même session. C'est bien ça, c'est bien pour tryhard. Par contre, 43 pilotes restants, tu sens qu'il y a du tryhard. On est un peu loin de la zone, Chris. Ah ouais, moi je trace, mon gars. Ah bah, je trace aussi, mais je suis dans la jungle, quoi, c'est un peu chaud. N'oubliez pas que... Ah non, l'arène est réduite déjà, d'accord, ok. Ah oui, il faut vraiment... Ouais, elle réduit déjà, c'est pour ça, moi, ça m'inquiète, tu vois. Qu'il y a une turbo, ah d'accord. Je changerai de voiture quand je... Quand je serai là... Non, non. C'est toi qui es là dans la forêt, là? Oui, c'est, okay. C'est moi. Je suis sur la route, là. Ouais, bah je vois ça. Bah, je vais rejoindre la route, à mon avis, aussi, parce que ça me fait chier, la forêt. Putain, elle est où, l'arène? Et toujours plus long le nom du mec qui a pris la voiture. Hein. Oui, bah c'est la voiture aussi qui avait l'air d'avoir un long nom. Ah, bien vu, connard. Non, mais c'est ce que je disais, c'est toujours plus long le nom de la voiture que le mec qui l'a récupéré. Ah. Et oui, c'est très détaillé ce que je dis. Ouais. Alors que tu peux ramasser une pile P50. Bon, ouais, peut-être pas en éliminateur, remarque. Ce sera peut-être un poil mieux, ça, je pense, quand même. Pas mal. Ah oui, j'avoue. Pas mal, les bzaises. Après, pour la terre, ouais, c'est pas mal. Si tu veux faire chier un mec. Mais j'ai encore mieux! Une voiture à côté de nous. Ah, j'ai encore mieux que ça! Alex, c'est regarde-moi vite. Ça! Vas-y, je regarde. Oh! Pas mal. Bah, c'était la voiture à rallonge, la Desert Flyer. Attends, mais on est toujours pas dans la zone là! Mais attends, c'est pas la Porsche du groupe B là? Attends, il y a. Non, parallèlement non. Enfin, je crois pas. Ah, là, je suis dans la zone. Putain, mais y'a pas une seule fumée! What the fuck! Alors par contre, genre, allons, moi ma voiture je l'ai trouvée en dehors de la zone perso. Ford Focus, ah, c'est pas moi. De toute façon, Chris, je pense pas qu'on va se revoir, parce que moi je suis parti, je pense, opposé où t'es parti. Je suis parti complètement à gauche, moi. Ah, je suis parti à droite. Moi j'espère que la zone va pas me rattraper, parce que là je suis peut-être un petit peu dans la merde si c'est le cas. Bah dépêche-toi. Ah bah, après, il y a encore de l'espace, hein. Elle ralentit doucement, donc en vrai... Ouais, non, mais c'est qu'en fait, je suis vraiment genre paumé. Tu vois, genre en haut presque en haut à droite, il y a une sorte de succession de virages un peu en montagne. Mais moi, je suis dans le désert, je suis dans les dunes. On va s'affronter sur la... Oh putain, par contre, non, là, c'est la merde. C'est la merde parce que je la vois la zone, je vais passer dedans. Je vais me faire éliminer. Oh, non. Non, c'est bon, en fait, faut que t'accélères à fond, parce que t'as une barre avant de pouvoir te faire éliminer. Fin du temps. Y'a quelqu'un qui est dans le désert aussi ou pas, hein? Non. Qui te rapproche près d'une autoroute. Mais la zone elle va plus vite que moi en fait. Ah, roule à fond. Ça c'est normal, Ed. Putain, ouais, mais je roule à fond là, je viens de me prendre des cailloux, c'est la merde. Putain, ça m'inquiète parce que là je vois plusieurs flèches de voitures, putain. J'affronte quelqu'un. Mais moi je vais me faire niquer, ouais, je roule à 150, qu'est-ce que tu veux que je fasse à 150? J'ai eu le pire spawn, c'est atroce. Après, c'est ma faute. Il y a quelqu'un qui me colle au cul, putain, qui veut me chasser. Ah, y'a des gens comme ça. Avec une Subaru. Aïe aïe aïe. Subaru. Subabubu. Ouais, non, mais c'est la merde, elle est beaucoup trop loin de la zone en fait. Je peux avoir une petite. Oh, y'a de la fumée là-bas. Y'a de la fumée. Y'a l'air d'avoir personne en plus vers là-bas. Allez, franchement, vous savez quoi, si j'arrive à survivre, mais vraiment, mais genre. 32, Edwin, 32. Ouais, mais c'est clair, en fait, c'est plutôt par rapport au timing de la zone, là, vraiment. Je sais bien, mais 32. Ah, mais je suis à deux doigts de me faire éliminer, en fait, à cause de la zone. Qui a pris une Ford Focus? Quelqu'un qui prenne un village mexicain? Ouais, putain, je suis en plein combat, je suis contre une. Je suis avec une Ford Escort, et le mec, il est avec une lanceur. Je vais mourir. Je vais me faire éliminer. Je suis éliminé. Edwin est mort. Oh non. Putain, position de merde. Putain, mais genre vraiment, il y avait aucun moyen que je m'en sorte en fait là où c'était en haut. Bon bah, du coup, je recherche une session. Hein.
Genre ouais, vraiment, ne vous mettez jamais à l'endroit en question, quoi. Let's go! Pire endroit. Ouais, un mec niveau 6 m'affronte, bah, je vais mourir, c'est ma voiture, elle est pas faite pour la terre et je suis en train de drifter à mort. Au moins, tu vas finir dans le top 30. C'est pas sûr, hein. Ah, le mec, il va me niquer. Ah ouais, moi, le mec, j'ai gagné un duel, moi, c'est bon. Bah ouais, mais le mec il est niveau 6, ça lui plaît de faire chier les petits mecs comme moi. Putain, va manger tes morts, quoi. Qu'est-ce que je vais gagner? Du coup, t'as fait top combien, Alex? Hein? Ah, t'as fait top 1, déjà? Bon, 29. 29. Ah bah le mec, il va me battre, voilà. Ah bah, ça, il s'est fait quoi, du coup, en fait? Attends, il s'est pris un arbre, le mec? Du coup, il y a plus que moi qui ai besoin d'en faire un truc, quoi. Non, enfin, il y a moi dans la game quand il reste. Ouais, mais... Je suis encore en recherche d'une session pour te dire à quel point c'est relou. Non, mais franchement, les mecs, ils peuvent pas faire un éliminateur, c'est bon, éliminateur où non. Tu peux compter que les voitures qui sont de ton niveau. Bah, le problème, c'est que si t'es le dernier niveau 1, c'est la merde. Ouais, il a gagné, hein. Il y a une chasse, là. Oh non, il a perdu. Attends tes résultats. Attends. J'ai gagné ou j'ai perdu? T'as gagné. T'as gagné, Alex. Oh, il s'est pris un truc juste avant. Oh. Attends, t'étais en level 1? Non, j'étais en level 2 ou un truc comme ça. Okay. Oh, putain. Il était niveau 6, le mec. Oh, GG. Bah, grosse tonks, ça. Du coup, j'ai une Ariel nomade. Putain. Il y a un mec qui me chasse, là. Il a très envie de moi. Et toi, du coup, Chris, là, t'as dead? Ah, j'ai dead 30ème. Donc au moins, t'as la récompense. Ouais. Oh, il a un 150. Oh, putain, je suis à la merde. Et pour contre, la Ryan Lomad, ça va. Attends, ma voiture d'avant, elle faisait... Attends, il est niveau combien, le mec, là? Attends, qui est là? Attends, c'est qui est là sur le chemin en terre? En vrai, putain, je devrais pas chasser des gens. Par contre, le éliminateur imminent, préparez-vous. Je veux bien, hein, mais ça fait depuis 5 minutes que tu me mets ça, en fait, le jeu. Ah, il me veut, lui, il a 150, hein! Mais attends, j'ai percuté un truc, moi. Je peux prendre mon rempli de l'heure et aller au toilette en même temps. Il m'a lâché, les jours. Ah, par contre, c'est pas la zone, merde. C'est toi qui as coupé? Non. Ok. C'est vrai que je poursuivais quelqu'un depuis pas longtemps, mais. Choisir un lieu de départ, alors certainement pas dans cet endroit de merde. Alors attends, il y a de la fumée au milieu. De toute façon, en avis, je pourrais pas tomber sur des voitures plus hautes que ce que j'ai là avec. Ah, une Maserati, ok. Maserati. Et là, c'est quoi là-haut la voiture? Ouais, oh, d'accord. Une Porsche Macan, ok, hein, ça me bat les couilles. Ok, je suis avantagé, ok. De toute façon, je sais que je finirai pas premier. De toute façon, l'éliminateur. Par pitié, prends pas un arbre. Faut pas se prendre un arbre. C'est ça. Bah, du coup, je suis encore pas dans la zone. Il y a des gens en duel. Plein de gens en duel là où je passe. Je peux pas les affronter. Moi, je suis en duel avec quelqu'un dans Cambrousse. Ok, la petite Audi Quattro là. Et c'est pris le même arbre. Let's go. Allez. Courage Noé. Allez. Allez. Allez Nono. Montre-nous tes fesses. Non, c'est pas ça les paroles. Oula oula. Bizarre. Je joue comme ok, mec. Je vais gagner. Ok. Voiture niveau combien là? Ok. Ok, voiture niveau 2. Ok. Let's go la win. Du coup, tu passes level combien, Nono? Je vais passer. Attends, level. J'aimerais bien savoir. Que de la merde. Ça me propose la Audi RS6 Sportback, mais bon, j'ai ma Porsche. Toi qui vois. Ah non, c'est quand même mieux d'avoir la Porsche. J'ai encore mon contrôle de traction, putain. On est plus que 17 dans le game. En train d'affronter un mec.
Y'a beaucoup de mecs en duel. Oh. La Audi S1 là. Oh, niveau 4. Putain. Genre le mur en caillou qui est juste indestructible, wesh. Hop, la mer, voilà. Oui. Ok. You are there. Yeah. Putain, Audi S1. Non, Carlis. Il est pas dans ma game. Il est mort bien très tôt dans la game. À cause du jeu. Du coup, là, il reste plus quoi dans la game. Les boys sont morts. Ah non, bah, je suis là. Hein. Ah, t'es encore là, Alex? Ah, bah oui. T'es où? Je suis mort juste avant lui. T'es où, Alex, exactement? Bah, je suis en train de faire un duel avec un mec, sauf que. Ah, parce que moi, je suis au niveau de la jungle, du coup. Welcome to the jungle! Down, down, down. Putain, la ligne d'arrivée, elle est sous le tunnel! Oh, le mec il comprend pas, il arrive pas à gagner. Bah ouais, quand c'est terminé, voilà, j'ai gagné. Bah oui! Oh, le chanceux que je suis! Vous avez battu. Et ouais, c'est comme ça. Et t'as récupéré quoi? Une Mercedes AMG GT. Ah ouais, je chouette niveau 7. C'est ça, affrontez-vous les mecs, affrontez-vous. T'as par contre, je me suis paumé, je suis dans la pampa là, je me comprends pas. Je suis toujours niveau 5. C'est une blague, y'a deux mecs qui sont à côté de moi, ils s'affrontent pas. Putain, en vrai, avec la voiture que j'ai, y'a peut-être des chances que je fasse un truc bien en vrai. Ah oh oh oh, y'a un mec qui arrive dans la zone. What? Allez vous affronter tous les deux. C'est bien, ils s'affrontent tous les deux, ok. C'est bon, je suis 29ème là. Exactement, mais... Je suis vraiment en haut en fait. Enfin non, je suis en bas en fait. J'étais, tu sais, dans la zone de vitesse. Je sais pas comment on peut dire ça. Il veut lui. L'autoroute tunnel là, tu sais. Ils ont de me vouloir. Ils sont de me vouloir. On est 13 là, réussissant la reine là. Ils sont deux vouloir me péter le cul. Ils vont te péter le cul, Noé. Ah bah c'est bon, ils se pètent le cul entre eux, c'est bon. À tout moment, je te vois, Alex. Hein. Je suis pas loin du tunnel. Hein. Non, mais je vais me faire éliminer. Ah ouais? Ouais. J'ai affronté un mec en duel, ça tournait à son avantage. Ah, je crois te voir. T'es rabattu? Ouais, terrain de merde. Attends, est-ce que c'est toi là-bas? Sur level 6 là. Allez, viens par là. Est-ce que c'est toi, hein? Ah. Oh, je vais gagner! Non, je vais gagner! Non! Non! J'allais le battre. Enfin, ça passe des... Oh, on est plus que 10. Enfin, 11. Attends, mais du coup, Alex, tu viens de te faire éliminer ou... Non. En fait, ça faisait pile au moment où j'allais passer la ligne. Je suis deg. Ok. Mais du coup, t'es encore dans la game. Ah oui, je suis encore dans la game. Attends, est-ce que c'est toi dans la petite ville là? T'es dans la terre, peut-être. Ouais. T'es proche de la zone? Je pense que ça va être par là. Wouah! Bon, non, mais je suis trop loin, je suis dernier. Non, j'étais trop loin pour toi, mon gars, qu'est-ce que tu vas faire? Non, bah, j'ai foiré mon truc. Eh, non, c'est moi le dernier, hein. Putain, à l'opposé, mais qu'est-ce que tu veux mais faire? Mais putain! Qu'est-ce que tu veux eh, faire? La voiture coincée dans un arbre! Je crois te voir, Alex. Ouais, bah, c'est moi qui suis sur la route. Ah, bah, oui, je suis derrière, toi. Les mecs, ils ont gagné, quoi. Chasse-le. Non, mais là on est. C'est le dernier. Dernière course. C'est la ligne droite, quoi, tu sais, c'est. Ouais, mais c'est bon. J'ai pas le rebonheur, je suis reposé de moi, de toute façon. Une voiture niveau 7, elle fait même pas du 200 km/h, PTDR.
Hop, ah, il y a le nomade. Les mecs sont tellement loin. Ouais, j'imagine, ouais. Ça me saoule. Je sens que ma Exocet of Fraud aurait été quand même mieux en termes de résultats. Ouais, voilà, wow. 9ème. 10ème, ouais. Non, pas rejouer. Putain, j'ai fait rejouer. Allez, quitter, hop là. Les mecs devraient pas mettre une sur A en fait. Non, mais il y a des mecs qui, bref, ils ont trop de chance. On va dire. Ça met crédit, de la merde, de toute façon, comme d'habitude. Toujours de la merde, de toute façon. Enfin, bref. Pour ce. Non, mais le succès de gagner un éliminatoire, t'arriveras jamais pour moi. C'est génial. Du coup, moi, je vais me coucher parce que littéralement, moi, je pose demain. Et je suis fatigué de ma soupe. Ouais, ça marche un peu. Du coup, okay. Des bisous au stream, hein, des bisous au chat d'Edwin, au chat de. Des bisous, mon nono. Monsieur Viper. Repose-toi bien. Et des bisous à ton stream. Des bisous aussi. Des bisous. Du coup, on se retrouvera demain à nouveau. Pas d'accord, 3 pieds. Tu stream quoi demain? Je stream pas demain. Pourquoi j'y demain? Merde. On se retrouvera samedi, pardon, pour du Hearthstone, du coup, à 15h en après-midi. Parce que demain, je ne suis pas là, j'ai un match. Dans la soirée. À moins que je stream en après-midi, mais bon, c'est pas prévu au programme. Peut-être que, mais je suis pas sûr. Donc, tenez-vous pour samedi à 15h. Merci d'avoir été là. Merci pour Matsu pour le sub. Merci à Vince pour le follow. Et est-ce que je suis un gros con? Oui. T'es le plus gros des beaux cons. Est-ce que avec une voiture de level 4, je viens de défier un mec level 8? Oui. Des bisous. 400 mètres, bye bye. Tournez à droite. Non, après, il faut y aller à l'audace. Hein. Peut-être comme ça, c'est que t'as gagné tes parties. Hein. Non. Faites demi-tour dès que possible. J'ai aucune vitesse en fait. Complètement échoué. Est-ce que j'avais autant d'audace pour pouvoir aller parler à Annabelle, si tu imagines? Incroyable. Incroyable du cul, monsieur Potbeur. Pire des cas, regarde mon live, tu vas voir si je gagne ou pas. Je suis en train de. Au pire, je peux faire start, bah oui. Putain, c'est dans le désert. Et je vois pas le mec. Il est de l'autre côté. Là-bas, tu vois. Ah, mais il s'est coincé dans les cailloux. Bon, bah. Oh, vas-y, vas-y. Oh, vas-y. Incroyable, l'audace du mec. Très bien. Voilà, j'avais une voiture 4, il avait une voiture 8, et voilà. Nice. Sachant qu'en plus, dans la partie, j'ai ramassé au moins 5 drops. Parce que, oui, en fait, j'ai enchaîné 2 véhicules de level 6. Tu sais, franchement, t'aurais dû choisir le véhicule de gauche, hein, t'sais. Oui. Bah, en vrai, vu comment est-ce que celui-là il tourne, ouais. Oui, il me le donne, quoi. Ah, c'est un véhicule qui est lourd, quoi, je pense. Ouais, en vrai, il a quand même de la patate, hein. Ah, ouais, on va bien, si t'affrontes des mecs là sur de la terre, comme ça, ils sont finis, hein. Ouais, là, tu vois, j'ai l'impression que les deux là, tu vois, ils ont pas envie de s'agresser. Non, mais s'ils ont peur, agresse-les. Ouais, bah, t'sais, j'affronte exactement le mec sur la map en question, que voilà. Genre avec, enfin, il avait la voiture que j'avais juste avant, donc ça se trouve, en fait, on va enchaîner des combats BM contre Rockstar, hein, et puis voilà. Ou alors ça se trouve, il va se faire sauver par le gong, ou alors moi, je me faire éliminer avant. J'en sais rien. Train de faire, moi, le truc, là, tu sais, le truc qu'on peut pas faire en coop, mais franchement, je comprends pas pourquoi, parce que, en vrai, notamment possibilité de jouer à plusieurs. Oh non, bah il va me baiser. Voilà, l'histoire se répète. Oh non. Et si. 9ème. Allez boule. Voilà. Bah hey, au moins je lui offre une belle voiture. Ouah, comme je suis triste. Ouais. Attends, 9ème, ouais, ils auraient pu annuler tout et te faire mettre en finale, quoi. Ils ont ouais, bon, c'est dans une minute quoi que ça serait passé. Hein, moi par contre j'ai pas le droit d'éliminer un mec sur la ligne d'arrivée, par contre toi va te faire quoi. Bah du coup il me reste plus que l'épreuve à faire en labo d'épreuve et puis let's go.
Ouais, bah, je t'avoue que tout seul c'est ennuyant, hein. C'est deux tours. Il y a des IA au moins? Non, je suis tout seul. Ah bah c'est pour ça du coup. Solo, cet événement saisonnier n'est pas disponible en coop ou en JCJ, bah ouais, tu m'étonnes. Je sais même pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas. Je sais pas, c'est pourtant. Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. Tu vois, tu vois, vous verrez pas ma magnifique voiture rose en plus. Ah, il y a le classement championnat. Hein? De toute façon, moi, une fois que j'ai fait ça, j'aurais fini tout ce qu'il y avait à faire sur la saison. Tu vas voir, hein, c'est ridicule. Genre, tu te dis qu'on aurait pu faire plusieurs. Ça, c'est... Ouais, c'est vrai que les circuits sont un petit peu étroits, mais c'est pas comme si ceux qui nous fournissaient d'habitude n'étaient pas comme ça. Par contre, en plus, la route, elle est merdique. Genre, vraiment, tu veux nous faire du Hoonigan, mais tu nous mets du terrain à moitié rugueux comme ça. Non, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. Cette texture de route, oh, c'est moche. Bien, ah, mais le problème, c'est que ça vibre tout le temps, en fait. Genre, c'est ultra rugueux. Bah, c'est du rallye cross, quoi. Bah ouais, mais en fait, tu mets des voitures Hoonigan. Les Hoonigan, elles sont pas forcément faites pour du rallye, quoi. D'ailleurs, imagine, tu prends une Unicorn. La Unicorn, elle est pas faite pour faire du rallye cross, elle est faite pour drifter. Putain, le gars, elle passe pas, c'est une S2. C'est vrai. Écoute, c'est pas parce que t'as réponse à tout qu'il faut avoir réponse à tout, enculé. Écoute, je te tue jusqu'à ce que tu meurs. Quoi? Bon, du coup, des bisous, les coupings. Des bisous, Nono. Bisous, Nono. Bon domingue. Ah, écoute, hey, tu vas aimer le dernier virage, c'est de la terre normale. Ouais, la fin de circuit, quoi. Non, mais en vrai, j'aime bien ça, film. Bah, tu veux, enfin, c'est pas ça le problème. C'est le fait que c'est soit débile qu'on le fasse solo, quoi. Ouais, ça pense, c'est vraiment con. Ça aurait pu faire un jeu, une belle course de rallycross. Tiens, regarde, une enfin du terrain normal, fin de circuit. Ah. Non, mais en vrai, il y a des moments, si tu veux, où la route elle est pas sinueuse comme ça, mais bon. C'est con parce qu'en fait, t'as plus de secousses sur ce faux sol que sur le vrai sol de terre, en fait. Alors c'est vraiment la voiture, elle est faite pour rebondir. Genre stop. C'est bang 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 bang. Pour peu que tu te sois mis la manette dans le quoi. Let's go. En plus moi j'ai mes micro lag, c'est chiant. Bon, par contre ma voiture drift super bien pour l'événement. Mais t'as la quoi toi? La Ford Focus RS RX Gymkhana. J'ai pris la RS200 et pourtant c'est nickel. La RS200 elle est build pour pouvoir faire tous mes trucs incroyables. Bah tu sais que c'est pas une méta. C'était une méta Horizon 4. Ouais, mais dans Horizon 5 c'est plus et tout. Ouais, mais bon, tu sais, moi je me tiens à ce que je peux me raccrocher. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu que là j'ai eu une notification, un adolescent de 16 ans retrouvé pendu à la roche. Hein? Un mur, c'est complètement con ça. Non, parce qu'on disait, on se rattrape parce qu'on peut se raccrocher. Ok, ça marche, Massou. Elle aurait pu venir nous le dire quand même là. De quoi? Massou qui m'a dit, André vous fait à tous des bisous et vous dit bonne nuit. Elle aura pourrait nous venir la le bonne dire nuit, quand la même, bonne hein. Nuit. Non, bonne nuit, elle. Ah là 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 là, mais de toute façon, elle veut jamais venir. Voilà, elle nous ignore. Non, il y a trop de monde. Oh là là. Ah le bâtard. Oh l'enculé. Et gros le buté. Hey, hein. Moi c'est Roland. Roland culé. Bon bah voilà. Distinction 2. Oh. Attends, une récompense normale. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Éliminer 15 adversaires? Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Et une voiture pour avoir récupéré 5 largages, la Gymkhana. Littéralement, la voiture que je viens d'utiliser pour pouvoir faire le machin, je viens de la gagner. Magnifique. Magnifique. Non, mais c'est pas grave si tu veux en soi. Voilà. Donc, sélection du festival, 50 points sur 70. PML. PML. Et bah, let's go. On a tout fait. Attends, dans quel cas cette voiture là? Alors, S1900. S1? Oui.
Ah mais tu sais la lucide. Ah bah j'ai pas fait gaffe. Mais c'est de la merde hein, comme voiture. Hop là. Bon par contre moi du coup je vais faire la même. Je vais basculer Justice. Thanks everybody for watching the stream. Est-ce que je t'envoie les gens ou est-ce que tu... Là je finis de faire le rival et après je vais arrêter. Bon. Écoute, on va lancer ça sur Twitch Plays Pokémon because... Et moi je fais le rival, et moi je dis va te faire Edwin avec ta voiture, avec la voiture qui bizarrement fait tous les virages beaucoup trop bien. Quoi, la TD7 ? Ouais. Je te jure qu'en plus j'ai vraiment fait un run tout et... Jusque j'ai trop accéléré. Ouais, trop pété, ouais, je vois tes trucs, c'est juste ultra propre, allez, va te faire. Hein, quoi ? Du coup, merci à tous d'être venus, d'avoir soutenu le live. Le plus important, c'est de se dire à demain, puisque demain, ça va être le live pour... comment ça s'appelle ? Le live virtuel Solidaire 2023. Je suis fatigué, là, j'ai du mal à... Donc, le live événement caritatif, n'hésitez pas à venir nombreux. Hop, je commence à retirer mon pull, déjà. N'hésitez pas à venir nombreux, on dirait un patron qui est en train de s'installer là, tranquille. N'hésitez pas à venir nombreux, en tout cas, on va essayer du coup de récolter un maximum. Je vais publier, là juste après le live, je vais publier les donation goals du coup pour l'événement. En tout cas la première page des donation goals, une fois qu'on aura atteint la fin de la première page, vous aurez accès à la deuxième partie, qui sera un peu plus cocasse, dis donc. Hey ! Donc voilà, donc venez nombreux à partir de demain, à partir de 20h, on se retrouvera sur du Halo MCC pour ouvrir le bal, une petite session de 4h. Puis on se retrouvera samedi pour un gros planning, tout est disponible sur le Discord, sur Twitter, sur Facebook et sur LinkedIn. Voilà, oui, parce que pourquoi pas. Non, sur LinkedIn, en vrai, il n'y a pas le planning. Mais sur Twitter, sur Facebook, il y a. Et sur Discord, évidemment, n'hésitez pas. Et donc, on se retrouvera donc ce samedi à partir de 14h et également dimanche à partir de 14h pour pouvoir... Ou 15h, j'ai mis. Je crois que j'ai mis 15h plutôt que 14h. Oui, je crois que j'ai mis 15h. Du coup, on se retrouvera voilà, pour pouvoir attaquer donc, ces deux journées de stream intense puisque vous pouvez vous attendre à 25 heures de stream sur les deux jours, ce qui va être très, très costaud. Mais on va bien s'amuser, on va essayer plein de nouvelles choses. Donc, let's go, pourquoi pas. Du coup, sur ce, prenez soin de vous, c'est le plus important. Je lance la commande du raid. Est-ce que vous avez un mot de la fin, les mecs ? À très vite, donc de demain, voilà. Et voilà. À demain, reposez-vous bien et merci de nous avoir suivis pour cette soirée. Exactement, voilà, parfait. Mais des bisous à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao à tous, c'était Phoenix, à demain. Des bisous. Non mais... Ah, j'ai dû la refaire la course parce que j'étais pas en tour propre. Pam pam tchik tchik boum 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 boum. Pam pam tchik tchik pam pam tchik 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 pam pam tchik tchik pam pam. Voilà, ça va aller pour le... Ha ha ha.